et bienvenue sur le live. Aujourd'hui, on va jouer à Star Wars The Old Republic. J'avais envie de reprendre un peu, étant donné qu'ils ont fait une petite mise à jour. Ils ont changé, en fait, tout ce qui est création de perso et tout. Ils ont apporté des nouveautés intéressantes. Donc, j'ai repassé mon jeu en français, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez raté hier? C'était quoi? C'était beaucoup de paramétrage de touches. Voilà, c'était. Bah, vous n'avez pas raté grand-chose. Mais au niveau de l'histoire, donc on avait pris le guerrier Sith. On arrive sur la planète de Korriban et on rencontre Tremel, qui est l'overseer, comme ils appellent ça. Je suis le mot anglais, mais j'ai pas le français. Qui est celui qui nous a ramenés sur Korriban un peu tôt pour contrer les plans de. Voilà. De Barras de prendre un apprenti en particulier qui ne l'apprécie guère. Salut Eprus, comment tu vas? Oh, pourquoi horrible la mise à jour? Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, pour le moment, de ce que j'en ai vu, c'est pas mal, hein. Au niveau alignement, j'ai toujours pas trouvé où est-ce que c'était, hein. Toujours. Donc du coup au niveau de la mise à jour, donc là on a créé un nouveau perso, du coup un guerrier Sith. On est à la toute première quête, hein. On a déjà eu un premier dialogue avec Tremel où en gros il te dit que t'as déjà des ennemis au sein de l'académie. Toi t'es là, mais comment c'est possible? Je viens d'arriver. Et on te dit, ben en fait on t'a fait arriver plus tôt pour que tu prennes la place de quelqu'un d'autre en tant qu'apprenti et que bah du coup il va falloir qu'on joue bien parce que sinon voilà. C'est la merde. Donc voilà, donc, du coup, on va retourner voir. On m'a envoyé chercher un. Hé, acolyte, attendez! Laissez-moi vous regarder. Ah, alors comme ça, c'est vous l'arme secrète du surveillant Tremel? Très impressionnante. Mais j'ai peur qu'il ait attendu trop longtemps pour agir. Je suis Vemrin, et contrairement à vous, je me suis battu pour tout ce que j'ai. J'exige qu'on me respecte. Vous insinuez que je ne mérite pas ma position? Je vous en prie, tout le monde sait ce que Tremel est en train de faire. Si le surveillant Tremel avait agi il y a un an quand je suis arrivé, vous auriez eu une chance. Mais maintenant, vous pouvez plus rien faire. C'est ridicule, Vemrin. On n'a qu'à la tuer et cacher son cadavre. On n'est plus sur Balmora, Dolgis. Il y a des règles, des traditions. Laissons ce genre de combine au surveillant Tremel et au dernier espoir pathétique qui lui reste. Mon honneur n'a pas à être remis en question. On verra. Vous venez, Dolgis? J'arrive. Il y a quelque chose de particulier lundi? Lundi dernier, j'ai... Écoutez-moi bien, madame l'effrontée. Les acolytes n'ont pas le droit de s'entretuer. Mais il y a des accidents, parfois. S'il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de meurtre. Dernier avertissement. Vemrin est le monstre alpha, ici. Vous vous en prenez à Vemrin, vous mourrez. Ok. Ils sont très accueillants. Voilà. C'est toujours pas comment on change de d'orientation de force. Genre si on veut être gentil ou quoi. Ils ont enlevé ou... Ah, ça ils l'ont mis là, ça c'est cool. Je suis en train d'explorer un peu, hein. J'avoue que je suis un peu perdue. J'en profite. Voilà, voilà. Saison galactique. Oh, ils ont mis une nouvelle saison galactique. Ça, c'est trop bien. Ça, t'as des bonnes récompenses en plus, hein. Pour les abonnés, en plus, t'as d'autant plus de récompenses. Moi, ça me va. Je dis pas non à des récompenses. Voilà. En général, t'as un compagnon à récupérer aussi dedans. Et genre, c'est pas, t'as pas un niveau. C'est genre, t'as 100 levels. D'ailleurs, j'ai pas regardé s'il y a du nouveau dans le marché du cartel. Un anniversaire. Bah, honnêtement, je peux pas te dire si je live ou pas. Et plus, parce que en gros, moi, ça va dépendre de la journée de boulot que j'aurai eu. Et pour le moment, je sais pas. C'est trop loin dans le futur. En général, lundi, c'est un peu dur, donc peut-être que je prendrai ma journée off, je sais pas.
Est-ce que tu pourras pas être là, c'est ça? Il y a quelques nouveautés, je crois. Celle-là, je l'avais pas déjà vue. Mais en même temps, les tenues avec capuche, je la regarde pas trop, j'aime pas. J'aime pas les capuches. Bref, bon, parlons au bench. Bien, vous voilà de retour. Vous avez l'air d'être en un seul morceau. Alors, votre nouvelle épée vous plaît? Je pense que ça suffit. Que faites-vous, père? Je viens juste d'avoir mon épée et je suis là depuis 6 mois. J'ai mes raisons, Esquela. Et tu ne parleras de ça à personne, compris? Oui. Oui, père. Acolyte, je vous présente Esquela, ma fille. Elle fait partie des élèves les plus avancés. Elle deviendra bientôt un Sith, si elle surveille ses manières. Je ne dirai rien à propos de votre nouvelle lubie, père. Mais si votre projet, quel qu'il soit, se retourne contre vous, ne comptez pas sur moi. Ne faites pas attention à elle. Elle est vexée que je ne lui dise pas tout. Elle râle, mais elle est loyale. Bon, il m'a semblé entendre la voix de Vemrin dans la pièce voisine avant votre arrivée. Il a déjà tenté quelque chose? Je lui ai tête une tête, ce n'est rien. J'aide à dire au silence. Il s'est seulement présenté à moi. S'il ne vous a pas attaqué, c'est qu'il n'a pas dû comprendre la menace que vous incarnez. Parfait. J'aurais aimé qu'on ait plus de temps. Vemrin n'est pas du genre à réfléchir très longtemps avant de mordre. Afin d'augmenter les effectifs, les critères pour entrer à l'académie ont été assouplis. À présent, toute personne sensible à la force peut entrer. Vemrin est un sang mêlé, la pourriture invisible qui ronge l'Empire à sa base. On ne peut pas le laisser progresser. Je suis prête. Vous le regardez de haut? Non, je suis prête. Quoique, tu le regardes de haut aussi, quand même. Hein. S'il vous plaît, laissez-moi l'arrêter. Malheureusement, Vemrin a attiré l'attention de Dark Barras, un des seigneurs Sith les plus influents. Il a été préparé pour devenir le nouvel apprenti de Barras. S'il devient l'apprenti de Dark Barras, Vemrin aura énormément de pouvoir. Il pourrait changer les Sith, et pas en bien. Vous devez passer à l'épreuve suivante, maintenant. Je veux que vous interrogiez 3 prisonniers qui se trouvent dans la prison de l'Académie et que vous décidiez de leur sort. Examinez bien chaque histoire. Les décisions que vous prendrez seront étudiées de près. Laissez-vous guider par vos émotions. Je vais m'en occuper. Allez à la prison de l'Académie. Parlez au geôlier en chef Nash et revenez me voir quand vous aurez décidé du sort des prisonniers. Oui, monsieur. C'est comme si vous avez le choix. Bon, bah let's go. Vous voyez, les levels, ça toujours aussi. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre activer un boost. Pas que j'ai oublié d'activer un boost, mais j'ai oublié d'activer un boost. Ouais, j'aime bien ce petit truc de double spécialisation, tu peux switcher de classe. Ça, je trouve ça cool. Là, j'aimais bien les anciennes icônes, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas des nouvelles. Cette icône. C'est un sabre laser genre assassin, ça. Dire une clé omelette. Oh. On se moque pas. Un seul bruit de plus, ma colombe, et tu le regretteras. Cui-cui. Cui-cui. C'est plus drôle en anglais. Aïe! Pauvre type. Si ça vous plaît pas, dites-le. Je peux imiter d'autres animaux. Chat manca, chien grenouille, singe lézard kowakien, choisissez. Vous, je suis le geôlier Nash. Je m'occupe de ces cellules et des cachots des esclaves. C'est vous l'acolyte que Tremel envoie pour l'épreuve? Il pense beaucoup de bien de vous. Arrêtons de tourner en rond. Mais avec joie. Alors ces 3 prisonniers ont été transférés ici pour interrogatoire. Vous allez les interroger, puis vous déciderez de leur sort. Les détenus sont généralement exécutés ou engagés dans un duel pour voir ce qu'ils valent. Quel que soit votre choix, c'est vous qui exécuterez la sentence. Là, je suis l'histoire du guerrier Sith.
avec un personnage sorcier qui peut switch avec assassin. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est trop bien. Alors, du coup, il y a un truc. Et pourquoi ça m'a interpellée ? C'est vrai que j'ai pas fait gaffe, mais ça doit faire un an que je live en fait. Oui. J'ai fait beaucoup de vidéos, alors je vais regarder. Et ouais, ça fait un an. Un an. Que j'ai la date exacte. Regardez. Depuis le 22 janvier 2021. Voilà. Ça fait un an. Très exactement. Très exactement, plus un mois. À peu près. Vers là, quoi. Tu as 11 mois d'abonnement, ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe. Putain, le temps passe vite. Hein. On va s'y mettre un peu. Bien sûr. Parfait. Ah, bien, allons-y. La première à gauche. Je ne vous dirai rien, monstre. Contentez-vous de faire ce que vous avez à faire. Tu peux choisir de me parler ou de parler aux inquisiteurs. Mais je t'assure que je serai dans de meilleures dispositions. Jamais! Je connais la chance. Je connais déjà le prénom de chaque inquisiteur. Effronté jusqu'au bout. Comme je le disais, on l'a envoyé tuer un espion impérial dans le système Yavin. Malgré la torture, elle soutient qu'on l'a engagé anonymement. Mettez-vous bien ça dans la tête! Je ne savais pas que c'était un impérial. Et je ne sais pas qui m'a engagé. Si tu veux que je l'aille, je peux essayer, hein. Tu n'as aucun lien avec l'ennemi, où sont tes remords, ou parle-moi du meurtre. Je peux essayer, mais je sais pas si je tiendrai longtemps. Le lundi, c'est vrai que c'est chaud. Hein. L'accusation de meurtre est une accusation grave. Tu regrettes ce que tu as fait? Sérieusement? Non. J'adore la tournure qu'ont pris les choses. L'important, c'est qu'elle ne rejette pas l'accusation. À présent, vous devez décider. L'exécution ou le duel? Que choisissez-vous? Aucun des deux. Elle pourrait être utile. Envoyez-la au service secret de l'Empire. Je ne travaille pas gratuitement. Ah, vous l'avez épargné. Intéressant. Pitié. Je suis un Sith comme vous. Jugez-moi sans préjugés et laissez-moi me battre en duel. Je vous en supplie. T'en fais pas. Mais je vais garder ça en tête. Oh, tu veux te battre? Tu ne penses tout de même pas que tu peux me battre, si? Ce gâchis humain s'appelle Devotech. Autrefois, c'était un champion Sith très apprécié, jusqu'à ce qu'il fasse échouer une mission importante, entraînant la mort d'un millier d'impériaux. C'est vrai que je l'ai pas quitté, hein. J'ai servi fidèlement pendant 24 années. Il a suffi d'une erreur pour qu'il se débarrasse de moi. On m'a laissé pourrir ici. Je vous en prie. Laissez-moi sentir le poids d'une arme une dernière fois. Je vais exaucer ton vœu. Un guerrier devrait mourir une arme à la main. Merci, jeune guerrière. Ça devrait être drôle. Je me suis dit, mais qui veut MP? C'est tous. Merde, attends, je suis en train de faire attaquer. Quelqu'un peut nettoyer ce bazar? Je me disais aussi. Il n'a pas été un adversaire très dur à vaincre aussi. Comment aurait-il pu l'être? Ce n'est pas important, il est très ridicule. C'est pas ça l'important. Il est mort en guerrier. Ah, ce dernier prisonnier est une énigme. Il s'appelle Bragg. Ce voyou est une vraie boule de nerfs. On le soupçonne d'avoir transmis des faux papiers aux agents de la République. Bizarrement, il continue à clamer son innocence malgré la torture. Nebaga imana, naki naya, bila maknam unya kamna lebek. J'en doute fort, alors tu n'as rien fait de mal, je ne crois rien. Tu essaies de me dire que tu mènes une vie parfaitement honnête? Naki oya makmak, nebaga imana, naki naya,
Bila magnam unya kamna lebek. Il s'en tient à ça et tout est fondé sur des présomptions. Il n'a peut-être rien fait après tout. Alors, que décidez-vous? Mais les choix que tu vas me donner vont pas trop m'intéresser. Alors, l'élucidation, libérez-le ou scellez-le jusqu'à ce qu'il change d'avis. Bon, j'aurais dit tuez-le, hein, sinon c'est bien. Quatrième, non. Je crois qu'on devrait le libérer. Laissez-le partir. M'amni lebek pak manuk. Merakanaja ki namabamyak. La liberté. On me l'avait jamais faite, celle-là. Ah, eh ben, vous êtes une drôle d'énergumène, petite. Je comprends pourquoi on vous observe. Retournez voir le surveillant Tremel pour savoir ce qu'il pense de vos choix. Bon, il va pas aimer, hein. Ah oui, comme ça, toi. Ouais, ouais. Faut diminuer le son, hein. Ça va, le son est pas trop fort, du coup? Non? Parce que je l'ai baissé, je l'ai mis à 20, hein. C'est un screamer, hein. Ah, mais je l'ai mis à 20 sur, sur le max, enfin, sinon au plus bas je peux mettre à 10. Mais à 100? Non, je les ai déjà eu à 100 dans les oreilles, crois-moi, j'ai perdu des points d'audition. C'est tout? C'est tout ce que le seigneur Renning a pu obtenir, oui. Alors retournez voir votre maître dans l'enclos des bêtes, avant que je ne vous coupe en deux. Navré de vous avoir fait attendre, acolyte. Ces interruptions sont agaçantes. Revenons-en à ce qui nous occupe, votre épreuve dans la prison. Tout d'abord, l'assassin Solis. Elle a essayé de tuer un espion impérial, mais ignorait pour qui elle travaillait. Vous l'avez affecté au service secret de l'Empire? Ça me plaît, c'était une bonne idée. Ne jamais gâcher une ressource potentielle. Ok, alors regardez un truc, parce qu'apparemment il y a un problème avec moi. Ça se désactive tout seul aussi, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Normalement, ça devrait marcher. Voilà. Avec moi, ça marche. Mais. Voilà. Alors. Bien, vraiment, je n'ai fait que refiler le but. Merci, surveillant. Je suis ravie que vous approuviez. Le plus important, c'est que Dark Barras approuve. Ça marche. À présent, Devotek, ouais, le guerrier déchu. Pourquoi avez-vous accepté de lui accorder le duel? Enfin, on va être plein de différents, je pense. Une pluie. Je sais pas si je peux vraiment le paramétrer pour avoir une pluie. Alors, regarde. Ouais, faut l'activer. C'est... Des fois, il se désactive tout seul. Et combo requis, je sais pas. Ignorer les doublons. Ah, c'est ça. Vas-y, fais ta pluie. À l'honneur de son passé. Je voulais voir de quoi il était capable pour prouver son inutilité. Je l'ai fait par respect pour ce qu'il a accompli. C'était un guerrier puissant autrefois. On n'a pas le temps d'honorer les accomplissements du passé. Devotek prenait de la place pour rien. Une fois que quelque chose a fini de servir, il faut l'éliminer. Souvenez-vous-en. À présent, le dernier prisonnier, le faussaire. Plein de chiens. Le choix de le libérer est très discutable. Expliquez-vous. Les autres options, elles étaient ridicules. Le garder ou le tuer ne servirait à rien. On ne gagnerait rien dans les deux cas. Innocent ou pas, il part avec une excellente connaissance de nos infrastructures et de nos procédures. Il y a un danger potentiel à le laisser se promener dans la galaxie. Il faut toujours étudier le problème sous toutes ses coutures. Outre la force et le talent, c'est ce qui impressionnera Barras. J'ai mis de quoi s'amuser en attendant. Vous commencez à comprendre ce que ça signifie d'être un Sith. Mais vous êtes encore loin d'être en mesure d'impressionner Dark Barras. Ça ne m'intéresse pas. Peu m'importe que j'impressionne Barras ou pas. Impressionnez-le ou mourrez. Vous n'avez pas d'autre choix. Si, j'ai d'autres choix. T'inquiète. Je vous ai fait entrer à l'académie plus tôt que prévu. Barras aura donc tendance à vous juger plus sévèrement. Et par sévèrement, je veux dire mortellement. Maintenant, on doit vite passer à l'épreuve suivante.
plus le temps passe, plus on risque d'être découvert avant d'être prêt. Marca Ragnos a laissé dans ses cavernes une créature pour protéger son héritage. Allez là-bas, asseyez-vous au milieu des flammes et attendez que la créature vienne vous trouver. Un peu suicidaire tout ça, non ? Je tue des créatures pendant mon sommeil. Méfiez-vous. Ouais, d'accord. En plus, je suis seul, non. Il vous faudra faire beaucoup d'efforts pour vaincre cette créature. Je retournez dans la vallée des seigneurs noirs et retrouvez le tombeau de Marca Ragnos. Je vous verrai quand vous aurez tué la bête. Bonne chance. Ok. Là, on fait l'histoire, hein, tranquillou. Hein. On regarde un peu ce qui a changé, du coup. Du coup, en point de bon et de méchant, j'ai fait un choix méchant, donc c'est ça. Ils ont enlevé les points par quête, je crois. Maintenant, il faut voir avec les quêtes de récolte de compagnons ce que ça donne. Est-ce que ça te fait gagner de l'alignement ou non ? Que tu choisis quand tu les envoies, c'est quel alignement ça te rapporte ? Pas la moindre idée. Moi, j'ai rien fait. Elle fait quoi ? J'ai regardé la fête d'arrivée. Faut pas le regarder dans les yeux, hein. On m'appelle. Où ça? À votre service, Excellence. Itinéraire confirmé. Ça va, Lupin? Tu veux venir? Bah, le bon vie, hein. Il cligne trop des yeux pour avoir envie, hein. Ouais, ça marche. J'ai pas besoin? T'as abandonné? D'accord, ok. Et hier, j'ai complètement zappé à un moment donné. J'ai fait merde, ah oui, c'est vrai, fallait que je lui dise. Fallait que je regarde. C'est bon, c'était encore dans la file d'attente. Sur le coup, je savais pas. J'ai zappé. J'avais ça comme devoir à faire. Hein? Moi et? Et les deux voix? Ah bah. Ouais. C'est comme j'ai oublié la pizza dans le jour, parce que je faisais un truc. Madame qui m'installe le jeu alors que. Le jeu est déjà installé. Bah écoute. Pas de ma faute si ton disque dur externe il était. Débranché. Ouais. Mal branché. Tiens! Ouais, si, il le branche. Toi. Mon disque dur, moi j'y touche pas. Une toute jeune acolyte qui vient voir mes ouais, expériences. Oui. Je suppose que la vue d'une table d'opération un peu sale ne te dérange pas. Non. Les choses mortes ne me font pas peur. Très bien. Très bien. Mais l'absence de peur et le véritable intérêt ne sont pas la même chose. C'était un Tukata. Les créatures semblables à des chiens qui infestent les tombeaux de Korriban. En surface, rien de spécial. Mais je suis le seul à voir que cette créature est une expression de l'énergie pure du côté obscur. Semblable à des chiens, c'est-à-dire qu'il y a des chiens en sens ? La vécilité incarnée. Quoi ? Je suis impressionné. Impressionnant. Toi comme chien. Comment l'avez-vous appris ? La force me l'a dit. Et toi comme chien. Elle me parle. La force est vivante. Ping le chien. Elle exprime sa volonté dans le monde physique. Ce Tukata était une de ses formes. Que sommes-nous alors ? Sommes-nous une autre de ses formes ? Les Sith sont la plus haute manifestation de la volonté de la force. J'ai disséqué des centaines de Tukata et j'ai établi une connexion directe avec le côté obscur. Chaque bête que j'examine me rapproche un peu plus de l'unité parfaite. J'ai atteint une nouvelle frontière, mais je ne peux plus avancer. Mon spécimen le plus parfait, un mutant Tukata, s'est réfugié dans les tombeaux avant que je puisse l'analyser. Je peux vous aider ? Je peux peut-être vous aider à retrouver votre spécimen. Oui, je n'en espérais pas moins. Mon apprenti Malora a vu dans quel tombeau le mutant est allé. Découvre ce qu'elle sait. Aide-moi, et tu seras récompensé.
Pourquoi n'envoyez-vous pas votre apprenti récupérer cette bête ? Elle est plus à l'aise dans le laboratoire que dans les tombeaux. Elle n'a malheureusement pas ton courage. Demande à Malora où trouver le Tukata et reviens me voir quand tu auras son cerveau. Ok. Donc Malora... Je fais cette quête-là, c'est une quête secondaire, hein, mais c'est inutile parce que Malora, on l'a... Vous cherchez l'animal de compagnie du seigneur Renning, c'est ça? Ne perdez pas votre temps. Les recherches de cet abruti n'ont aucun sens. Je me disais que ce serait une bonne distraction. Je suis ravie de ne pas être la seule à voir clair dans les divagations de mon maître. Renning fait croire au Conseil Noir qu'il fait progresser la connaissance Sith. En vérité, il gâche les ressources de l'Empire et lui fait perdre du temps en disséquant des animaux stupides. Mais si ses expériences étaient discréditées, il serait banni. Et je serais récompensé. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Écoutez, une petite modification du cerveau d'un Tukata mutant me permettrait de révéler l'imposture de mon maître. Apportez-moi le cerveau avant de le donner au seigneur Renning. Vous ne le regretterez pas. Tout dépendra de mon humeur. Vous serez récompensé par le maître et par son apprenti. C'est une bonne affaire. Le Tukata mutant s'est réfugié dans le tombeau de Mark Aragnos. Il est beaucoup plus grand que les autres. Vous le trouverez facilement. Ah, ça. Rapportez-moi le cerveau avant de voir le seigneur Renning. Je m'occuperai du reste. Tu veux qu'on te voie? Je pense qu'il faut que je te groupe. Quoi? Il y a une maintenance en 15 minutes! Mais j'ai la poisse! Et Bruce, il est caché derrière un poteau. Regardez ça. Ce stalker. Bah écoutez, maintenant, dans 15 minutes, happy. J'ai vraiment pas de bol, hein, depuis hier soir. Avez-vous besoin de soins médicaux? Ah, en plus, tout à l'heure, j'ai regardé, hein, s'il y avait des news. J'ai pas fait gaffe. Portez-vous bien. Ouais, c'est ma faute, j'ai du mal à regarder, mais... Bah yes. Écoutez, on aura fait un petit bout d'histoire, après on ira faire autre chose. Hein? Je sais pas ce que je vais faire par contre. Pas bouger! J'avais 15 à tuer. Hein? Par contre, ça me perturbe. Les polices ont changé en fait. J'aimais bien les polices avant. C'est bête, hein, dit comme ça. Mais... Quelqu'un peut nettoyer ce bazar. C'est trop facile. Mais ça va, c'est notre accouste. Depuis quand? Depuis le temps qu'on s'est pas trop vu. Doigt dans le nez. Pas bouger. Et donc du coup, on va aller là-bas. Je sais pas encore ce que je vais faire après du coup, hein, vu qu'il y a une maintenance. On va essayer de rester au max. Peut-être pas au max, mais au moins finir les quêtes là et... Les doigts dans le nez. Je peux pas attaquer. Quelqu'un peut nettoyer ce bazar. Quelqu'un peut nettoyer ce bazar. Oui. Ah, sûr. Enfin, j'ai cru que j'allais me les prendre les limaces derrière.
jour. Tu vas faire un petit tassement. C'est un mot, ça fait la semaine dernière, il y a ou moins. T'es caché, c'est ça? Pas bouger. Encore 12 jours. Alors attends, encore 12 jours, pourquoi? On a mis le jour de Gilmore. Et un petit tasmo, c'est ce que tu vas faire après ou... J'ai pas tout compris. Je dois te chercher, t'es où? Mais c'est pas moi où tu es. Et en 15 minutes, il faut que je fasse ma quête et te trouver, ça va pas être facile. Pas bouger. Ça va pas être facile du tout. Alors, à mon avis, les cache-cache dans ce jeu, tu dois bien galérer. Hein. Autant dans la feu, ce qui est sympa, c'est que comme t'as le vol, bah. Tu voles et c'est fini. Et voilà. Ah, je me demande si c'est pas ce que je vais faire après. Genre, à toi, hier, j'ai dû laisser tomber une quête qui était super importante. Parce que ça arrêtait pas de planter. Comme quoi, j'ai pas eu de chance. Ça fait deux jours, j'ai pas de chance. Pas de chance. Sur ce que je fais, il y a toujours un bug. 10 minutes. Allez, let's go. On va rentabiliser ce temps. Est-ce qu'il y a des gens à tuer? Ouais, il y a des. Il y a des pilotes. C'est trop facile. Quelqu'un peut nettoyer ce bazar? Je suis mis au stress, c'est trop bien. Ah. Et là, vous voyez les torches, on est là tout seul. Quelqu'un peut nettoyer ce bazar. Pas besoin d'aller voir qui que ce soit. Je pense que c'est pour ça que les... Quoique non, regardez. Hop. Vous n'êtes pas disciple de cet entraîneur? Ça, c'est un sort de sorcier pourtant. Oh, je l'ai déjà. Mais je comprends rien. Je comprends rien. Hein? Alors ça, c'est les véhicules. Moi, je veux sorcier. Mais pas général. Écoutez, il y a peut-être un bug. Hein. C'est peut-être pour ça qu'ils font une mise à jour d'ailleurs. Les doigts dans le nez. Voilà. Pas bouger. Pas ce que je voulais faire, hein. C'était le touche, hein. Vraiment. Désolé. Je vous ai bousculé pour rien. Je me suis fait de touche. Ah, attends. Ah, il y a une photo avec le MP. Ah, ok, ok. J'ai pas trop eu le temps de regarder et il faut que je finisse cette mission là parce que j'ai pas envie de, d'avoir tourné là-bas. Enfin bon, de Corriban. Je t'avouerai. Mais si j'ai le temps, j'essaierai de te chercher après si tu veux. Je rends la quête à Renny, enfin ou à Malora. Et je vois. J'avais pas vu. J'avais pas vu la photo avec le MP. J'ai pas ouvert le MP en même temps, je crois. Ah non. En plus, je sais même plus comment je l'ai vu. Je l'ai lu quelque part, mais je sais plus où. Un moyen de savoir si c'était sur le jeu ou sur Discord. Mais apparemment, c'était un MP Discord. Comme quoi, tu vois. C'est trop facile. Non, en ce moment j'ai un peu du mal à suivre tout ce qui se passe.
La fatigue du taf, c'est un peu compliqué. Essayez de faire en sorte que tout soit à jour. Donc, voilà. Du coup, on va faire un peu plus que d'habitude. Un peu plus que bon. Voilà, comme d'hab. Un petit peu la routine. Toi dans le nez. Je suis un peu déçu hein, qu'il y ait une mise à jour du coup. Après, non, c'est une maintenance, c'est pas une mise à jour. Donc ça devrait pas durer si longtemps que ça, mais des fois les maintenances t'en as bien pour une heure. Donc je pense qu'on va changer de jeu, hein. Pas chercher, hein. Un point de contact. Même vous êtes sérieux ? Même vous êtes pas bougé. Quelqu'un peut nettoyer chercher, ce bazar. C'est pas tranquille, hein. C'est indécent, monsieur. Me dis pas que t'es au fin fond des ruines. Là-bas, j'irai pas te chercher. C'est un endroit où tu peux te cacher là-bas facilement aussi. Faudra que je regarde l'image. Ce sera plus simple. Dans 5 minutes. Bah, je t'ai trouvé. T'es sur la plateforme en haut, voilà. Tu es là. Renning ou Malora. Malora. Vous avez récupéré le cerveau du Toukata mutant? J'ai hâte de régler l'affaire dont on a parlé. Moi aussi. Voilà, c'est cadeau. Excellent. Ce produit chimique donnera l'impression que Renning truque ses recherches. Mais j'ai trouvé ça voilà. Un photo. Maintenant, il ne me reste plus qu'à glisser les bons mots aux mauvaises oreilles. Voilà. Je transfère les crédits sur votre compte immédiatement. Donnez le cerveau à Renning et récupérez sa récompense. Vous vous êtes bien débrouillé. D'accord. Un peu condescendant. Hein. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quand tout le monde saura que les recherches de Renning sont truquées, même ses alliés les plus proches lui tourneront le dos. Une fois qu'il sera complètement isolé, je m'arrangerai pour me débarrasser définitivement de lui. Il ne faut pas qu'on nous voit ensemble. Le seigneur Renning pourrait avoir des soupçons. Donnez-lui le cerveau. Laissez-moi jouer. Enfin, tu as le cerveau. Excellent travail. Ah, t'es trouvé sur la photo. Imagine que tu n'as pas eu de problème. J'irai voir ça. J'ai dit qu'il n'y a pas eu de problème. Je l'ai fait payer. Quel combat inutile de demander. Vous n'aurez pas les détails sordides. Tu gardes les secrets de ton succès pour toi. Comme tu voudras. Je dois continuer mes recherches. De grandes découvertes m'attendent. Prends ta récompense et pars. J'ai tué, je suis reparti, hein, en vrai. Hein. N'oubliez pas celle qui vous a aidé à remporter cette victoire. Oui, oui. Tu peux te taire maintenant. Casse-toi. Au revoir. Ta gueule, casse-toi. Ok. Très sympa, les derniers jeux. Très, très sympa. On s'équipe. Nickel. Et on va pouvoir retourner là-bas. 3 minutes, les gens. 3 minutes. 3 minutes, on se fait des quoi. Être brutal, là. Je voulais mon avis. Donc là, on a aidé Malora, et quand on la recroisera, elle aura une attitude différente par rapport à nous. On la recroise dans que le long faire temps. Pour vous on a le temps d'oublier. Largement le temps d'oublier. Donc ça, on peut supprimer. Ça va être fini. Et ça, en fait, je peux pas, parce que c'est les tenues du début. Vous pouvez les jeter. Le sabre ici, on le garde, hein, parce que c'est pour si jamais je switch assassin. Revenez à l'occasion. Ouais. Hop, et puis je pense qu'on va arrêter là. On va se mettre en be right back, parce que j'ai deux petites choses à faire. Oh, regardez-moi ça. Il y a une quête ici. Je ne peux pas vous aider. Ah, elle a une voix chelou. Donc on va quitter de nous-mêmes avant de se faire expulser comme des malpropres. Et on va mettre un be right back. Be right back. C'est où?
Je cherche pas bon endroit. Je vous dis à tout de suite, je vous mets un petit peu de musique et je reviens dès que j'ai fini.
first, but here I am. Cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. Cause I am happy on this island, wanna be my fun land. I don't ever want to leave. Étant donné que, du coup, Star Wars étant maintenant, on va passer sur du FF. Écoutez, pas le choix. C'était pas du tout ce qu'il y avait prévu de ce soir. Mais let's go. Écoutez, à un moment donné, il faut. Donc voilà. Donc, on se connecte. Puisque du coup, j'étais occupée à faire des organisations pour les events de cette semaine, du coup, de samedi surtout. Donc samedi, Among Us, chez Sabri. Du coup, j'ai quelques MP, parce que à la base, ça devait se faire chez moi, finalement, ça se fait chez Sabri. Moi, ça me gêne pas en soi, parce qu'on était que 4, donc au final, si on arrive à avoir un groupe suffisamment conséquent, ça peut être cool, franchement, plutôt que de devoir encore annuler un event. Je fais toujours, d'ailleurs, en ce moment. C'est abusé. Alors, donc du coup, on connaît Discord. Non, c'est pas Discord. Excusez-moi. Oh putain, les gens, ils plaisantent, je comprends rien. Oh, c'est terrible. Ça va durer vraiment de temps, ça. Vraiment de temps. Et voilà, donc on est de retour. L'écran, est-ce que ça s'affiche ? Suspense. Alors, je vais peut-être relancer le live sur mon téléphone parce qu'il a l'air de planter, non ? Attendez, je relance le live sur le téléphone parce que là, clairement, il y a un souci. Il a l'air d'être figé, mais... Ah, mais je suis en 4G aussi ! Mais quelle idée ! Je suis en train d'utiliser mon forfait pour rien, tu sais ! Oh, mon sang ! Ok, du coup, on va attendre. Et j'espère que ça va pas... Alors, si ça bug, je fais un ticket à Square Enix, c'est qu'il y a un problème. Hein. C'est que leur quête, elle est buggée chez moi. Mais j'ai jamais eu le cas encore. Hein. C'est vraiment la première fois où j'ai eu autant de bugs sur une quête. Et j'ai pas compris. Oh, no, pas FF. Ah, mais je suis désolée, plus Star Wars, ils m'ont dit merde. J'ai pas rien. J'avais prévu de faire soirée Star Wars. Et on met une mise à jour. Hier, il y avait la maintenance. J'ai pas pu jouer tout de suite. Et... FF m'a dit merde aussi parce qu'il a pas arrêté de planter. Donc du coup, bah en fait, si tu veux, depuis hier, c'est le bordel. Depuis hier, c'est le bordel. Juste ça. Donc du coup, on est en train de lancer FF. Je voulais regarder quoi ? J'ai oublié. Regarde un truc. Bon, tout a l'air de fonctionner. Hein. Ok. Tout à l'heure, ok, en tout cas sur le live. Bon, ça risque de cacher un peu les barres de... Les barres ici, là, mais c'est pas grave. Si, ce sont les aléas de la vie.
de la vie, les gens. On va utiliser le bienfait. Voilà, prix d'amis. Le bienfait à boire, à manger, reste 3 heures, on va l'annuler. Ah, je vais utiliser le bienfait du combat. Je suis toute seule dans la guilde. De quoi, hein, de quoi, je précise. J'ai pas une vie pour moi toute seule. Ah si, je voulais voir ce qui s'était écrit. Voilà, homéopathe, c'est tout. Et oui, donc bah du coup, oui, je suis désolée, Prus, mais honnêtement, là c'était soit ça, soit Dying Light 2. Et honnêtement, pour Dying Light 2, je sais pas si je suis apte. Et en même temps, je suis un peu. Là, je suis sur une quête chiante, d'accord. Et en même temps, je me dis, bah si je repousse à plus tard, j'aurais pas envie de la faire, tu vois. Autant la passer vite, tu vois. C'est celle-là sur laquelle ça n'arrêtait pas de bugger. Ça me déconnectait du serveur et je pense que bah, c'est pas un problème de connexion. Hein, ou, bon, je devrais pas en avoir. Donc pour moi c'est vraiment chez eux que venait le problème. Et c'est très très rare, hein, pourtant j'ai jamais de problème chez eux. Encore une fois, ils sont plutôt. Sont plutôt bons, hein. Donc, eh bien, j'ai cru que tu n'y arriverais pas. La prochaine fois, tu devrais essayer de fuir plutôt que de te battre. Comme le sale rat que tu es. Continue donc, si tu l'oses. Ok, par là. On va essayer de les éviter. Hein. Pour le moment, on s'en sort plutôt bien à esquiver les ennemis. Par contre, faut que je rejoigne le camp, mais je sais pas où il est en fait. Enfin, c'est une map. Attends, je suis en bout de map par contre. Ça, c'est mauvais. Par contre, ils m'ont mis un chemin d'item, hein, je crois. Oh là, il bouge. Reste là-bas, toi. Mais il y a trop de monde là. Non, c'est la limite. Oh purée, mais j'ai tout ça, vache. Ok, alors là j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Faut peut-être trouver des parties pour réparer la... C'est quand la sortie de End of Dragon? Vas-y, on le met en très facile. Je suis pas courageuse et cette quête m'a déjà bien saoulée. Laissez-moi y aller. Le 28. Si vous voulez jouer à DBD, mais DBD, tu t'es inscrite ou dimanche? Vous jouez dimanche déjà? Eh bien, j'ai cru que tu n'y arriverais pas. La prochaine fois, tu devrais essayer de c'est fuir toi. Plutôt que de ah, te bien. Battre. Comme le sale rat que tu es. Yeah, continue yeah. donc, ah, si tu ça. L'oses. Petite prière. Nous, on peut pas sortir de là. Là, peut-être que si j'étais passé là.
J'aurais pu faire rapide. C'est ça. Ah, il y a un petit sac là. Un corps impérial ici. Ouais. Je suis persuadée que la masse de mobs, genre il faut que je fasse. Oh non, il y en a deux. On ramasse tout ce qu'on peut. Hein. Tant pis si au niveau du temps on est rack. J'aime pas quand il bouge en grognant là. Ouais, bah oui, j'aime pas quand il bouge en grognant. Par contre, c'est sûr qu'ils font moins mal que tout à l'heure. Hein. On va essayer d'aller voir un peu plus loin, jusqu'à la limite de la map. On peut, corps impérial. Et voilà, là-bas, il y a des choses qu'on peut choper. Non ! On n'est pas passé par là. Bonne soirée. Oh non, du coup pour le manga c'est bon. C'est cool. J'attendais que Kara ait fini ses examens en fait à la base. Donc là on en a remis du coup. C'est vrai que c'est un moment que j'ai pas joué en fait. Je suis rouillée. Je me balade. Ah, désolé, je suis sur un jeu que t'intéresse pas. Pas vraiment souris. Ça sert à rien cette carcasse. Il y a des soldats là, le plus jeune fille. Là, il n'y a rien. Ah, il n'y a pas d'item. Par là, il y en a. Okay. Je bouge ma caméra dans tous les sens. Ça serait insupportable pour vous, je suis désolée. Il y a un petit sac là-bas. Ah, on a pris l'itinéraire touristique. Hein. Oh là, je suis juste à côté de la main. Vas-y, ouais, on va la tuer. Hein. Je veux dire, ce stade-là de proche, voilà. Ah, j'aurais mieux fait ça comme s'il y avait un groupe sur moi tout à l'heure. Enfin, plus tard, quoi. J'ai trouvé assez de choses pour
préparer ça. Trouver la clé d'activation de la machine ainsi que du carburant. Mais. T'as vu ça ? Ah, attends. C'est ce que je cherchais en fait. Du carburant. La carburant, c'est bon. Par contre, la clé d'activation, je sais pas où elle est. Et là, ce qui me dit que je suis un peu dans la merde. Transporter jusqu'à la. Ah, bah ça doit pas être loin hein, si je dois transporter comme ça les trucs. J'ai besoin d'un guide là. Ok. Je peux pas bouger en fait. Ah mais c'est pour éliminer les mobs là. Faut que je tue cela peut-être. Heureusement que j'ai mis un très facile hein, la quête. Hein. Clairement, je me débrouille pas bien. J'ai l'impression que je peux faire des dégâts là. J'ai failli rater le truc. Hein. What? L'échec encore, c'est ça? Ah non.
Ok, c'est normal. Ils m'ont fait peur. Soufflé par l'explosion, vous perdez lentement connaissance. Oh, oh. J'étais pas prêt. Prévenez avant de faire une manœuvre critique, s'il vous plaît. Oh putain. Ah, j'ai cru que c'était fini. Ah bon, on rampe comme dans DBD. Mais ça va être long là, vous en êtes conscient que ça va être long. Très long. Ah, c'est bon. Si j'ai bien compris, nous avons enfin réussi à mettre hors de danger tous les Garlemaldais qui ont été subjugués. Tout à fait. Et les soigneurs menés par Arun Sena s'occupent déjà de les guérir. Par chance, nous avons suffisamment d'écailles en réserve pour tout le monde. Et Julius, savez-vous s'il est toujours subjugué ? En comptant les prisonniers qui ont été capturés dans le Magna Glacies, nous avons un nombre très important de personnes à désenvoûter. Qui plus est, l'ordre dans lequel nous les traiterons dépendra de leur état. Je suis désolée. Il faudra sûrement un bon moment avant qu'ils puissent être soignés. Ah, c'est triste. Mais soyez assurés que nous sauverons tout le monde, je le promets. En attendant, je compte sur vous pour retrouver la piste de notre ami. La disparition de notre camarade me turlupine de plus en plus. Elle a disparu juste après la première onde de choc. Je doute qu'il s'agisse d'une coïncidence. Elle avait sûrement une bonne raison. Dans la panique, personne ne l'a vu s'en aller. Je sais qu'elle se tire toujours d'affaire, mais je ne peux pas m'empêcher d'être inquiet. Tiens. En parlant du loup. Ah, s'il vous plaît, dites-moi qui se fait griller. On s'est inquiété pour pas grand-chose. Affaire classée. Dis, c'est vraiment elle là-bas ? Oui, cela m'en a tout l'air. Aurais-tu du mal à la distinguer par ce temps ? Ah, il y a cela. Peut-être. Ou alors, c'est à cause des radiations éthérées ? Non, c'est parce que c'est pas moi ! Yastola ! Oh putain, non... Te voilà ! Où est-ce que t'étais parti ? On t'a cherché partout. Rien de grave, j'espère. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qui es-tu ? Protège-toi ! Oh. Oh, donne-moi mon corps !
Oh, quel dommage! Les effets du contrôle mental commencent à s'estomper. Vous n'allez pas tarder à réintégrer vos corps respectifs. Bien le bonjour à vous. Je suis désolé de ne pas être venu vous saluer plus tôt. Vraiment, quel rustre je fais, alors que vous avez fait tout ce chemin pour nous voir. C'est-à-dire que j'avais besoin d'un peu plus de temps pour vous recevoir correctement. Il faut dire que vous êtes nombreux. Pour vous tenir occupés, j'ai disposé quelques soldats subjugués ça et là. Puis j'ai fait en sorte que les réserves de céruléum des survivants s'étiolent mystérieusement. Et tout a fonctionné comme prévu. Un peu trop bien même. Vous ne m'avez pas déçu. Toujours la main sur le cœur. Mes pauvres Maintenant qu'Anima a accumulé suffisamment d'éther, l'heure est enfin venue d'entamer le grand spectacle que je vous ai promis. Le réveil du plus ancien et du plus puissant des primordiaux sonnera le début de cette nouvelle apocalypse. Je dévorerai ce dieu et réduirai ce monde en miettes s'il le faut. Et peut-être qu'enfin, tu sauras rassembler toute ta haine pour venir me tuer. Vraiment, il fouille. J'ai sondé ton âme. Ton destin s'entremêle. Pour le meilleur. Aussi pour le pire. Mais je tiens à te mettre particulièrement en garde au sujet de tes compagnons. Nombreux sont ceux qui ont déjà été consumés par le brasier ardent que tu attises à chacune de tes prouesses. Protège du mieux que tu peux tes amis. Celles et ceux qui sont toujours à tes côtés et qui ne t'ont jamais trahi. Ok. Ça, on s'en souvient. Ah. Tu ouvres enfin les yeux. Tout le monde va bien. Mais toi, tu nous as fait une belle peur. Moi aussi, je me suis fait une belle peur, là. Oh. Ça va? Tu peux bouger? Oh, quel soulagement. Et au fait, merci pour ton coup de main. Enfin, d'épée. Eh bien, tu t'es encore fourré dans un sacré pétrin. Genre, je l'ai pas demandé, Yachtela, hein. Je jure. Normalement, j'aurais exigé que tu te reposes un moment. Mais si on en croit les paroles de Fan Daniel, le temps joue contre nous. Une fois que tu te sentiras requinqué, il faudra qu'on mette un plan au point pour nous introduire dans la tour de Babil. Vas-y, d'accord, hein. Let's go, hein. Maintenant. Je suis prête. C'est devenu personnel, là. J'ai des comptes à régler. Oh, cette quête est finie. Oui, cette quête, elle est finie. Tu vas bien, tu n'as pas mal, tu es vraiment sûr, hein? Tant mieux. Ils sont vraiment fous, c'était le fort. Qu'est-ce qu'ils voulaient au juste?
combien d'habitants ont été sacrifiés pour leur servir de pion. Dire qu'on avait réussi à convaincre la majorité du groupe de Tertium de nous rejoindre. Les voilà tous subjugués maintenant. Tertium, pardon. Oh, je vais y arriver. En plus de ça, ils s'amusent à te voler ton corps pour nous jouer des sales tours. J'en ai ma claque de ces tarés. Je me moque de leurs histoires de nouvel apocalypse. Je vais mettre fin à leur folie dès maintenant. Ouh, allez. C'est vénère. Après, j'avoue que le vol de corps, c'était pas sympa. Bien sûr, j'espère que vous avez eu l'occasion de vous reposer. Pourriez-vous nous raconter un peu ce qui vous est arrivé ? Bah, j'ai été conviée à un dîner en tête-à-tête avec Zeno, ça m'a fait bizarre. Ils ont utilisé la dépouille de l'empereur Varys pour invoquer un primordial Calafan. La radiation éthérée qui nous a frappés tout à l'heure semblait émaner de cette tour de Babil. On peut en conclure qu'elle a été causée par cette anima. Sans compter que tu as pu entendre ces grognements près de là où Zenos et Fandaniel t'avaient emmené. Ce qui signifie que tu étais à l'intérieur de la tour de Babil et qu'il s'agit bien du quartier général des Télophores. À propos, j'ai de nouvelles informations à vous partager. Pendant que vous étiez affairés à rapatrier les survivants de Tertium, nous avons fait bon usage des informations de Sancred et son équipe d'éclaireurs pour élaborer un plan d'infiltration de la tour de Babil. L'édifice est gardé par de nombreuses armes magitech et un grand nombre de soldats subjugués. De plus, les moyens d'accéder à l'ancien palais impérial ont tous été détruits, ce qui rend une approche frontale quasiment impossible. C'est pourquoi nous avons décidé de séparer nos forces en deux groupes. Un premier qui fera diversion, pendant que les autres en profiteront pour pénétrer dans la tour. Le groupe servant de l'heure sera composé de nos meilleurs attaquants, les soldats des contingents gris daniens et gigardais. Ils seront épaulés par les artisans lycéens en charge de construire des ponts afin de convaincre les Télophores que nous nous préparons à un assaut frontal. Pendant ce temps, les membres des contingents Migois et Uldiens, épaulés par nos amis de la coalition orientale, s'occuperont d'infiltrer la tour via un autre moyen d'accès. Jette un œil là-dessus, c'est une carte préparée par nos éclaireurs. L'endroit entouré en rouge est l'Enceladeum, une usine magitech désaffectée. Au sous-sol se trouvent les lignes de terrain de train, reliées au palais impérial. Elles étaient utilisées autrefois pour le transport d'armes. Je ne sais plus lire. Pendant que l'attention des Télophores sera braquée sur notre groupe de diversion, nous utiliserons cette ligne d'accès pour entrer dans la tour de Babil. Évidemment, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Cette ligne souterraine est toujours en activité, ce qui signifie que Subjugués l'utilisent pour acheminer ce dont ils ont besoin vers la tour. Impossible alors de simplement marcher le long de ce chemin de fer. Il va falloir infiltrer un des trains de ravitaillement, n'est-ce pas ? Je dirais donjon plus primordial d'affilée. Ils l'ont déjà fait, hein, pour... Shadowbringers, donc je dirais c'est ça. J'aimerais que les héritiers de la 7ème aube se joignent au groupe d'infiltration où vous êtes les plus aptes à combattre les Télophores une fois à l'intérieur. Ramenons enfin la paix à Garlemald dans le monde entier. Ces misérables vont payer pour ce qu'ils m'ont fait. Il est temps de mettre fin à leur folie une bonne fois pour toutes. La paix. Parce qu'on est Miss France. C'est pas ça? Oui, Julius et tant d'autres ont souffert à cause de ces tours. Assurons-nous que cela ne se reproduise plus. Ce plan, on peut l'exécuter tout de suite. Si j'en crois les paroles de Fandaniel, son but était d'accumuler de l'éther grâce au tour de l'apocalypse apparu partout dans le monde. Vu qu'il semble avoir obtenu la quantité désirée, j'ai peur que le temps nous fasse défaut. Ce nom Babil n'est pas anodin, il fait référence à l'empire d'Alag à l'époque d'Amon.
il signifie « porte des dieux ». C'est d'ailleurs le nom qu'utilisait l'empereur Xande pour désigner son portail vers le néant. Je ne sais pas en quoi cette appellation peut être liée au plus ancien, au plus puissant des primordiaux dont il nous a parlé, mais cela n'augure rien de bon. Tous les membres de la délégation ont été informés de nos plans, chaque équipe est prête à partir, il nous suffit de leur donner l'ordre. Ok. Vous n'avez plus qu'à rejoindre le groupe d'infiltration pour nous diriger vers le chemin de fer souterrain. Rejoignez Lise au forum Patens, au nord d'ici. Je savais que le chevalier du temple était prompt à l'action, mais pas à ce point. Nous allons tous nous rendre au point de rendez-vous. Tu n'auras qu'à nous rejoindre quand tu seras prête à partir. Yes, we put it. Yes, we put it. Laissez-moi venir avec vous. Non? Non? Ok. Let's go. Je suis contente de voir que je n'ai plus de bugs. Voilà. Très très contente de voir que je n'ai plus de bugs. Parce que purée, hier c'était. Ah, c'était relou, hein. Quand tu dis vas-y, je vais jouer à ça ce soir et que tu peux pas. Ah, c'est relou. Enfin bon, les plans changent. Heureusement qu'on a plusieurs jeux. Il y en a d'autres qu'à. Enfin, il faudrait que je fasse les mises à jour. Histoire de. Comme ça, j'aurais plus de choix. Mais récemment, j'ai eu envie de jouer à Fallout 76. Alors, la faute à l'Armo qui jouait à Fallout 4. Le jour, je suis sûre que c'est ça. Et que j'ai pas fait Fallout 4, je commence à manquer de place sur PC. Donc, du coup, bah, on va se rabattre sur 76. Et je voulais recommencer un perso à nouveau et suivre l'histoire. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, mes quêtes elles bug. Ça finit par me saouler et je rachète. Voilà. Genre ça. Les 3-4 personnages comme ça, donc je sais. En plus, moi, j'aime pas jouer avec l'armure assistée. Je trouve ça chiant. Trop de contrats. C'est pas loin. Toujours, hein. C'est inquiétant. J'ai l'impression que c'est en pire. C'est un peu triste parce que je perds ma voix du coup. C'est super important la voix. J'ai besoin. Ouh, avec McNai et Sadu. Te voilà, Tara. On t'attendait. Il est temps d'aller voir ce qui se trame dans cette fichue tour. T'as oublié tes vêtements d'hiver? J'ai froid rien qu'en te regardant. Oui, ma tenue n'est pas vraiment adaptée pour l'instant. Mais d'ici peu, on va devoir se battre en intérieur, alors c'est mieux ainsi. Même les enfants qui gambadent dans la steppe sont plus vêtus que ça. Enfin, j'imagine que tu as passé trop de temps aux côtés de cette chienne enragée. Quoi? Quoi? Ah, c'est elle. Tu nous cherches là? Tiens ta langue, sinon je la donnerai en pâture au monstre du coin. Je n'ai fait qu'exprimer la vérité, car je ne veux pas qu'elle vienne se plaindre plus tard. Ce manteau est là pour couvrir mes épaules ou celles de ma fille de Naama. Si nous la croisons en chemin, pas les siennes. Dans tes rêves, personne ne doute que toi n'es capable de supporter la puanteur bestiale de tes vêtements. Et si nous trouvions une pauvre fille frigorifiée, j'aurais plus vite fait de la réchauffer avec mes flammes. Ta waifu. Moi j'adore. Allons enfin du calme tous les deux. Si jamais il faut se couvrir, j'ai bien un plaid ou deux avec moi. Tiens, tu as eu la même idée que nous. Ils se sont changés. Ok, ok, j'ai compris. Faut que je me change aussi, c'est ça. Je peux pas. Je t'en là, tout le monde, vous êtes changés. Oui,
avec les combats qui nous attendent, nous avons tous préféré être à l'aise, quitte à grelotter un peu. Nous ne perdons pas plus de temps et revoyons ce qui nous attend, d'accord ? En ce moment, Pipin et ses troupes ont encerclé l'Enceladeum. Nous allons les rejoindre et attendre que le groupe leur engage le combat contre soldats subjugués. Puis nous embarquerons dans un des trains en direction de la tour de Babil. Si nous devons neutraliser les soldats subjugués en chemin, une fraction des guerriers... Tu es en doudoune, toi. Oui, j'ai mis mon manteau. Ils sont chiants. Si j'avais su, j'aurais mis ma tenue. Ma tenue Oméga. Si nous devons neutraliser les soldats subjugués en chemin, une fraction des guerriers de la steppe restera auprès d'eux pour les prendre en charge. Le plus important reste que les héritiers arrivent à bon port à leur avancée sans vous retourner. Regarde, moi j'ai gardé mon manteau. J'ai pas pris le manteau de Tatao, il est trop... J'ai pas aimé. J'ai pas aimé son manteau. Bien, allons donc jusqu'à lancer l'Adeum. Nous allons nous faire remarquer si nous marchons tous ensemble alors que chacun se rende discrètement et à son rythme. Qu'est-ce que gagne le premier à arriver là-bas ? Moi je veux bien. Hein. Mais j'y gagne quoi ? Au con des lames. Là c'est un grand mur et l'ouverture elle est là-bas, hein, donc on va pas se faire avoir. Ouais, mon personnage est en doudoune. Comment tu vas, Calice ? En cette belle soirée. J'aime beaucoup cette chanson. Regardez-moi. Il y a plein de la fête ici. J'ai vu le chemin, j'avais juste envie de faire un tour. Bing. Merci de vous être rejoint à nous. Dame Lucia m'a informé que vous aviez fait un malaise. On dirait que vous êtes à nouveau sur pied, voilà qui est rassurant. Nous avons eu un malaise. Ouais, désolé, Zenos a volé mon corps. Ça marche à toute Kali. Eh bien, Ravana, j'aime bien. Je pensais pas aimer ce genre de chanson, mais j'aime bien. Enfin, celle-là, en tout cas, j'aime bien. Nous avons encerclé l'Enceladeum et neutralisé les gardes. Une fois que nous aurons embarqué dans le train, certains resteront pour assurer votre retraite si besoin. Quand tous les membres de notre expédition seront présents et que l'autre groupe aura entamé sa diversion, nous pourrons emprunter le chemin vers la tour. En attendant, pourriez-vous aller informer nos camarades des larmes de lenté que votre arrivée et nous attendre auprès de la gare de Frey souterraine. Nous vous rejoindrons là-bas sous peu. Wesh, tu m'emmènes ? Allez, oui. Destination. Oh, ça va, on va prendre le train, quoi. Bien, tout le monde est là. C'est quoi ces tremblements de terre ? Ah, les hostilités ont commencé. La manœuvre de diversion a commencé comme prévu. Parfait, il ne nous reste plus qu'à embarquer dans un des trains Magitech en direction de la tour. Notre objectif principal est évidemment de vaincre les Télophores, mais également si possible de neutraliser le primordial nommé Anima. Si cette créature contrôle toutes les tours de l'apocalypse, il est très probable qu'elle disparaisse une fois ce monstre abattu.
De plus, je refuse de laisser les Télophores continuer à profaner ainsi la dépouille de l'empereur Varys, lui qui symbolise tant pour tous les guerres le Maldais. Ne t'en fais pas, Alfino, on était tous présents ce soir-là. Crois-moi, on est bien déterminés à mettre fin à cette folie. Il n'y a aucune hésitation à avoir, on fera tout notre possible pour que toi et les héritiers puissiez mener à bien cette mission. Oui, il le faut. Bon, soyez sûrs qu'ils vivent, le train de marchandises en route pour la tour ne devrait pas tarder à marquer l'arrêt dans cette gare. Ah, il y a un arrêt, on n'a pas sauté sur le train, tout va bien. Un train. Ça me rappelle c'est quoi? C'était les Alpha 6? Delta 6? Oh, je sais plus. Un truc en 6. Delta 6, Alpha 6, je sais pas! Bref, c'est dans les raids. Non, c'était pas. Alors, c'est pas ça, sûr. Sigmastis, voilà. Oui, c'est ça. Merci. Regarde ton chat. Oui, bah, deux secondes. Moi, papa. Eh bien, du coup, ouais. Voilà. J'ai ma pile. Kali, j'ai ma pile. Oh, je lance, hein, du coup. Moi, tu veux y venir. Regarde ton chat, j'aime bien. Tu l'as posté il y a pas longtemps, ça va. J'ai mis deux secondes à te lire. Ça va. Ah. Ok. Non, mais je suis sûre que je vais m'amuser dans ce donjon. Peut-être crever aussi, mais je vais m'amuser dans ce donjon. 83. Dans le pire des cas, je peux switcher à érudien, si ça prend trop de temps. On n'a pas fait le jeu commun, donc on va peut-être y aller, du coup, en attendant. Ça pop. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait les trucs du début. Normalement, on devait jouer à Star Wars ce soir. Et en fait, Star Wars, ils ont fait une mise à jour. Enfin, une maintenance. Parce que la mise à jour d'hier, je pense qu'elle n'est pas totalement stable. Donc, du coup, voilà. J'avais pas prévu de jouer à FF. Et comme hier FF m'avait fait de la merde. Ouais, hier FF, il m'a fait souffrir un petit peu. Hein. Parce que, genre. Comment vous dire Ils m'ont déconnecté sur la quête de l'enfer que j'ai faite juste avant. Et bah, c'était. J'ai tenté trois fois, ça m'a découché. Bon, bah, ok, on verra ça une autre fois. J'étais triste, je vais jouer à FF le temps que la mise à jour de Star Wars se fasse. Du coup, ça va sembler super long puisque j'ai navigué de jeu en jeu. Je veux une petite session Sims du coup à la place. Voilà. Et après, je vais aller voir la création de personnages, bien sûr, parce qu'ils ont quand même changé pas mal de choses. Je trouve ça vachement bien. Maintenant, tu peux switch de classe sur un Star Wars. Bah, t'as le choix qu'entre deux, hein, mais c'est déjà pas mal, hein. Franchement, c'est cool. Maintenant on fait le prix. Et... ah, ça commence à remonter, ça, c'est tant mieux. Ça se moque de moi, ça a vraiment diminué tant que ça.
Écoutez, on va laisser 2-3 trucs ici, hein, les gars. À plus tard, Cali, bon app. Surtout ça. Regarde ce qu'il peut se vendre, hein. Ça fait un moment que j'ai pas vendu des thèmes. Un moment. Ah, ça a remonté. Faut toujours faire attention au prix, hein, parce que des fois ça remonte sans raison, comme ça, ça revient. Et c'est prêt! Let's go! Alors par contre, je vous préviens, je ne connais pas le donjon, je ne sais pas! On attend le tank, c'est un suspense! Si le tank se désiste, on retourne en file d'attente. Ça va être un petit peu chiant. Allez, petit tank! Oui! Finissez sa quête, je pense. Ou son alia. Un truc du genre. De toute façon, c'est toujours ça. Le train est arrivé en gare. Allons-y. Faut prendre le contrôle du train. C'est ça le moment. Ouais. Ah, je suis pas seule à le faire pour la première fois. On va laisser la cinématique, du moins. J'ai l'impression que on va moins marcher, genre les mobs vont plus venir à nous. Ah, du coup j'ai pas fait, j'aurais pu faire mon ulti j'avais fait. Enfin, tout droit, bah nickel. Ah mais c'est des gens qui transportent là. Niaou. Let's
en train de... de gueuler les PNJ, j'aime bien. Ouais. Oh, Barnabas. Premier boss. Voilà. Je ne me dis pas devant. Je vais être attiré, mais il faut que je sois lent. C'est pas le moment de se tendre l'arrière. Mon saut m'a fait sauter au bon endroit, hein. C'est cool hein. Franchement c'est cool. J'ai tout mis là dans la... Oh je fais les pieds dedans là non. Bon ça va. C'est moi qui ai fait les gros pires. Hein. Je sais pas, il y a peut-être un positionnement mieux que ça. Plus ou moins, je sais pas. Ah bah faut que je sois quoi, Trop tard, il est mort. Yeah. Sinon j'étais dedans. Hein. Je me suis pas bien positionné. J'ai pas vu le bon symbole au bon moment. Pas grave. On dirait qu'on va s'aplatir à... le rôle. Chaque étage va avoir des mobs.
les rats, la lafelle. Non, représente de chaque race, c'est drôle. C'est bien. Bug de son, c'est marrant. Je pense que tout le monde l'a vu, quoi. Ça refait ça, je devrais débrancher et rebrancher mon casque. Ah si, je l'ai dit, first time. Ah, je me disais, il me semblait bien l'avoir écrit. Je l'avais pas vu. De toute façon, si j'ai un peu m'équiper, même dans le donjon, je prends. Hein. Qu'est-ce qui peut aider ma team à faire plus de DPS? Elle est là? Ah non. Je sais pas ce qu'il veut faire. Ah mais je suis mini. Lutte. Ah je suis morte. Laisse tomber. Alors là j'ai rien compris. Est-ce qu'il faut se mettre dans les cales ou pas? Non, on a réussi à tenir un peu sans tank, donc c'est cool. Et le heal fait un bon mouvement. Attends, c'est une mauvaise. On va attendre que là il passe son chakra de Magitech. Ah, faut être petit en fait. Ok, faut éviter ces attaques là, il faut être petit, ok. Faut reprendre ta taille, tu vas sur le truc. Ah, oh, ok! On apprend beaucoup à observer les autres. Quand tu fais suffocation, je suppose que c'est ça qu'il faut faire. Pour l'enlever, tu reviens dessus. Et pareil là-bas. Entre les lignes.
Je dis pour la survie, faut suivre lui, là. Tac, on va nous enlever. Hop, nickel. Ah, je sens pas mal. C'est sympa, hein. Même l'intérieur et tout. C'est joli. Ça est déjà tombé. Heureusement que je suis pas une pour ce qu'on doit. Mal, mon sang est bien sorti là. Il prend les coffres, ça c'est cool pour moi. Sur le dernier boss là, je crois.
ça me fait des petits offerts aussi. Ah non, c'est pas primordial, c'est compté comme un boss de donjon. Un peu décevant quand même, non? Empereur dieu anima. C'est un boutifleur, il a bouffé James. Non, c'est pas ça. Ou un amplifleur. C'est pas les bienvenus, hein. Clairement là. Ça fait mal. C'est la merde. Moi je vais très bien, je peux pas dans les airs, hein. C'est normal. Encore le taper ou pas hein? Non. Ça m'a TP. D'accord, ok. Ah, il faut pas tomber. Commencer niveau du son. Je remets. Ah, je suis désolée, pour les changements de son, il y a un problème, je sais pas pourquoi, j'ai des ralentissements d'un coup et ça me fait un son infernal.
Je regarderai un truc, j'ai essayé d'augmenter la, la ventilation du PC, mais je suis pas sûr que ce soit. Je suis sûr que ce soit le PC en vrai. Je sais pas ce qu'il veut prendre avec ça. Ne pas tomber. Aller loin en fait. Ok. J'ai raté la veston les gens. Je veux pas dire. Ah, mes multiples morts. J'aurais dû noter, honorer le Ida. C'est pas. Excusez-moi, je pensais que j'avais roll, et en fait j'avais pas roll sur le dernier. Je suis triste d'avoir été si nulle. Pourtant, j'étais honorée une fois pour ma nullitude. Ma nullité. Oh, c'était terrible. Adieu, empereur Varys. Puissiez-vous trouver le repos éternel. Allons-y. Zenos doit se trouver tout en haut de la tour. Je trouve qu'il est un peu tôt pour défaire tous leurs plans. Zenos, femme Daniel. Oh, elle est vénère. Un peu de silence, bande de sauvages. Vous ne voyez pas que je suis occupé. Justement, on s'en fout que tu sois occupé, mec. Tu crois qu'on va te laisser faire? Allez, ma belle tour, libère Zordiark de sa prison lunaire et ramène-le jusqu'à nous. Okay. C'était ça le but depuis le début. Le rayon, on dirait qu'il a été repoussé. Aileen a repris possession de... Krill ? Et là... Comment es-tu arrivé jusqu'ici ? J'ai activé la dernière barrière magique. Je ne les laisserai pas le libérer sans rien faire.
ça la met en danger. Pas Regardez qui s'invite. Elle a de la ressource, il faut bien lui accorder ça. Elle s'est à peine marché. Tiens, prends ça pour voir. On peut pas lui fournir de l'énergie. On va juste attendre que ça pète. Un peu de jus. Ah, c'est triste pour Daniel. Damnation. On est à court d'éther. Mais il ne reste plus qu'un pilier. Votre Altesse, nous n'avons plus le choix. Nous devons aller sur la Lune pour détruire nous-mêmes la dernière protection. Élevez le sceau! Comme tu l'entends. Qu'est-ce que c'était? Une explosion? Une plateforme à propulsion. Avant de périr, Anima a transmis un dernier ordre à ses fidèles. Si l'Empire venait à tomber, entraînait le monde entier avec lui dans sa perte. J'imagine que mon père n'aurait sûrement pas donné un tel ordre. Mais cette créature ne partageait avec lui que sa chair. Elle était si facile à manipuler. Comment as-tu osé ? C'est de ton peuple que tu parles ! Et il s'en fout en fait. Et alors ? De toute façon, vous allez tous crever dans quelques instants. Il est temps de nous dire adieu. Vous pouvez toujours essayer de nous suivre. Enfin, si vous êtes prêts à abandonner vos amis et ces pauvres subjugués à leur sort. Je pense qu'il va falloir se séparer, hein. Laissez-moi y aller et puis barrez-vous, quoi. Pardonne-moi. Le corps de cet enfant ne peut plus contenir ma présence plus longtemps. Occupez-vous bien d'elle. Zordiark est toujours dans sa prison. Le sceau de Mare Lamentorum n'est pas totalement brisé. J'ai manipulé le flux éthéré pour les envoyer tous les deux bien loin de leur destination. Et maintenant, je vais le dévier à nouveau afin qu'il t'emmène au bon endroit. Un allié t'attendra sur place. Retrouve-le et consolide le sceau de Zordiark. Ouais, et vous, j'ai une mauvaise nouvelle. Les subjugués sont devenus incontrôlables. Ceux de la tour, ceux en ville, et même ceux du camp Bride-Glace. Nos soldats font tout leur possible pour reprendre le contrôle de la situation, mais ils ont déjà essuyé de lourdes pertes. On va quand même pas devoir les abandonner. Ce serait jouer le jeu de fan Daniel. Le monde se séparait, les enfants. Comment ça ? Seul. Tu comptes aller seul à leur poursuite ? Très bien.
Je crois en toi, comme tout le monde ici. En retour, promets-moi que tu continueras de croire en nous aussi. Ah, sinon, je vous laisserai pas sauver le reste du monde. Amalfi. Merci. Nos alliés ont besoin de notre aide, tout comme les gardes Maldais. On donnera tout ce qu'on a pour en sauver le plus possible. Je n'en doute pas. Nous te rejoindrons une fois que les choses se seront calmées ici. Je n'ai pas besoin de te le dire, mais sois prudente. Qui sait ce qui t'attend là-haut? Je vais sur la lune, les gars. Et c'est clair. La lune. Si ce sont les subjugués qui sont à l'origine de tout ce chaos, alors ça veut dire que Julius... Non, je ne devrais pas me perdre en conjecture. Nous allons tous les sauver, je te l'ai promis, je compte bien m'y tenir. Fais attention à toi et bonne chance. Yes, yes, I know. Yeah. Objectif lune. Ça me rappelle une mission de Tintin, ça, non? Ah, désolé, j'étais intriguée par ce téléporteur. Sa plateforme me rappelle l'architecture à la Gouaze. Comme Fandamiel nous l'a dit, il n'a pas pu entièrement jeter son passé aux oubliettes. Je ne sais pas si ces détails te sera utile pour les retrouver, mais garde le tout de même à l'esprit, on ne sait jamais. Selon Aideline, ce dispositif relie désormais la tour de Babil à Mar Lamentorum, là où réside son mystérieux allié sur la Lune. Fort heureusement, en déviant la trajectoire de Zenos et Fandamiel plus loin, elle nous a permis de gagner une longueur d'avance sur eux. En revanche, il faudra se débrouiller pour la suite, mais c'est précisément dans ce genre de situation que tu excelles, pas vrai? Un aventurière, tu as voyagé par monts et par vaux. Maintenant, tu vas devoir en faire autant par cieux. Oh putain! On aurait dit, les bandes annonces pour films, genre super épique le discours et tout, avant d'y aller. Ça m'étonne pas que ça soit le fanboy qui le donne, du coup. Il y a fort longtemps, bien avant que la lune rouge ne soit créée pour emprisonner Bahamut, la première lune fut formée, scellant la divinité qui avait un temps incarné la volonté de notre planète. Encore aujourd'hui, les âmes des martyrs rêvent du jour où leur dieu retrouvera sa pleine puissance. Tu penses que l'allié c'est Metzelk? Mais ce dernier reste prisonnier dans cette vaste étendue désolée. Dans ce berceau aux allures de tombe sans stèle. Dans le silence assourdissant du vide, s'élèvent les prières et les lamentations, venues de cette lointaine sphère bleutée perdue dans l'abîme. Espace intersidéral, Mar Lamentorum. Une nouvelle map? Attends. C'est une nouvelle... What? Mais what? Mais c'est trop beau en plus. Hey, y a une éthérite sur la lune, wesh. Vas-y. Mais c'est trop bien, regarde. C'est beau. Je sais respirer sur la lune, par contre, je pense qu'il va y avoir une explication, mais... Où? Ah, je me souviens, nous devons retrouver cette époque. Il le faut, sinon... Ah! Ok! Oh, je peux invoquer mon chocobo et tout. Je le prends.
Les jours heureux, prions pour leur retour. Et ne t'approche pas de ces pauvres airs. Rejoins-moi, je t'attends dans ce grand palais paré de bleu. Mais c'est vraiment une meuf. Ça, c'est bon. Non, c'est pas. Attends. C'est pas vraiment une map parce qu'elle serait là sinon, non. Non, mais. Espace intersidéral. Mais ça a l'air d'être une map, mais j'arrive pas à m'y faire. J'arrive pas à me faire l'idée. J'arrive pas à me faire l'idée. Waouh. C'est énorme. Regardez-moi ça. Trop bien. Vous ne voyez personne dans cette pièce encerclée de meubles immenses. Peut-être votre hôte se trouve-t-il à un étage. Elle me dit en haut. Apparemment, je peux monter en moto. Donc, c'est cool. Ce serait mieux avec le vol encore. On met ça sur la faute de la pesanteur. Regardez-moi ça. Tellement petite par rapport à eux. Je t'attendais, tu m'excuseras, mais je suis bien occupée. Sans compter que je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec quelqu'un depuis bien longtemps. On m'appelle le Veilleur Sélénien. J'ai été créé par Aidenine en même temps que la Lune pour servir de gardien des lieux. Comme mon nom l'indique, je suis chargée de veiller sur de surveiller le sceau, pardon. Et... Voici Zodiac, tout du moins une représentation de l'être qui sommeille au cœur de cet astre. Même si Adeline l'a fragmenté lors de leur combat, il regagne de plus sa puissance à chaque fléau. Mais comme tu peux le voir, il reste incomplet. Sous sa forme actuelle, il ne serait pas capable de restaurer l'humanité de l'ancien temps comme l'auraient souhaité ceux que vous appelez les Asiens. Voilà pourquoi aucun de ses serviteurs n'a jamais tenté de briser le sceau jusqu'à maintenant. Seulement le rayon qui nous a frappé il y a peu a fragilisé sa prison. Vois-tu ces six structures qui entourent le cratère? Voilà ce qui constitue le sceau. Nous les appelons les glaives. S'ils venaient à être tous détruits, alors Zodiac serait à nouveau libre. 5 glaives ont été endommagés par le rayon. Pour l'instant, je suis parvenu à en réparer un. Je m'évertue à en faire autant avec les 4 autres, mais le temps joue contre moi. Ce sont les âmes de ceux qui se sont sacrifiés pour invoquer Zodiac. Leur manifestation a été rendue possible par l'accomplissement du sceau. Il ralentit fortement mes efforts de réparation pour pu les chasser afin que je puisse terminer ma tâche. Si garder Zodiac emprisonné est la seule solution, alors je vous aiderai. Je ne compte pas éliminer des êtres inconnus sans tenter de les comprendre avant. Ah, si j'ai la seule solution, vas-y, je l'aide. On n'a pas de temps à perdre. La seule solution serait... tu es celle qui vient relancer l'ordre établi après tout ce temps.
Je ne suis qu'un simple veilleur. Je suis incapable de dissiper tout, de dissiper tes doutes ou de guider ton choix. Cependant, je souhaiterais que tu comprennes ceci. La Lune est une gigantesque cage formée par le pouvoir de stagnation d'Aïdenia. Tant qu'il est enfermé ici, The Dark, comme ceux qui le composent, ne peut réellement disparaître. En revanche, il ne peut pas non plus pousser ses fidèles à se sacrifier pour engranger plus de pouvoir. Va donc rencontrer ces amérantes, écoute ce qu'elles ont à te dire. Si tu y tiens, ensuite tu pourras prendre ta décision en ton âme et conscience. Je pense qu'il m'aurait répondu la même chose quoi que je fasse. Quoi que je dise, plutôt. Le sceau affaiblit les spectres des sacrifiés. Le sceau affaiblit, les spectres des sacrifiés peuvent remonter jusqu'à la surface. Tu devras nous en débarrasser afin que je répare les glaives. Pour la plupart, leur présence vient de l'intangible et les effleurer suffira à les faire disparaître. D'autres, en revanche, peuvent matérialiser leurs sentiments et t'assaillir comme celui que tu as croisé en venant ici. Prends garde à eux. Je vais poursuivre mes efforts de réparation pendant que tu officieras. Mais presse-toi, je sens que des intrus s'approchent et malgré la distance qui nous sépare encore, ils ne tarderont pas à nous rejoindre. Ouais, je sais. Ça, j'avais remarqué. Bon, eh bien, on saute, hein. Let's go. Aouh. À plus de vie. Plus de vie. Mon chocobo, il a choisi de sauter aussi. Si c'est pas noble, ça. Par contre, ouais, j'ai des lags. Aïe, c'est ça que j'avais dit que j'allais devoir aussi. Attendez. Là. J'essaye de mettre un peu plus de ventilation. Il chauffe beaucoup le PC, peut-être que c'est ça. Fait que ça lag. C'est comme ça. Peut-être que s'il y a moins de lag, je saurais que c'est ça. J'ai le sentiment de m'éveiller après un long sommeil. À quelle époque sommes-nous? Okay. Ah, je suis sur la lune, les gens! C'est terrible! Attends, regarde-moi ça. Trop bon! Trop bon! La terre derrière! Oh. C'est oufissime! C'est... Par contre, j'ai vraiment pas l'impression que ça fait partie des maps. J'ai pas, hein. Enfin, je l'ai pas là. Là, je pense que je l'aurais là, tu vois, si je l'avais déjà découverte. Non, tout cela remonte à si loin. Des éons se sont écoulés. Nous étions en harmonie avec notre belle planète. Nous avions percé les secrets de la nature, créé pour sa prospérité de nouvelles espèces que nous choisissions judicieusement. Lui, par contre, il va m'invoquer des mobs. Nous étions la volonté de la planète. Elle, un organisme, nous, ses cellules et notre énergie vitale, le sang qui coulait dans ses veines. Nous la cultivions et la voyions grandir. Chacun de nous apprenait, pensait et construisait afin de l'embellir. Nous étions des êtres pleins et entiers, tout comme elle. N'est-ce pas? Non, même pas. Même pas des petits mobs. Ok.
Vous ne voyez plus aucun spectre autour du glaive chavirant. Le veilleur sélénien devrait maintenant être en mesure de le réparer. Alors, un chien ? What ? Il s'en passe des choses. Oh, le magnan ! Jolie coiffure. Ce chien nimbé de lumière vous observe sans aucune défiance à votre égard. À vrai dire, il semble même vous apprécier. Ok. Je suis, ouais, j'ai compris. L'étrange canin s'est arrêté comme pour vous attendre. Peut-être vous invite-t-il à le suivre ? Oh, que c'est surprenant. Parlez au chien. Le chien nimbé de lumière vous guide. Restez près de lui pour ne pas le perdre de vue. Il va m'aider à passer ça. Oh, il me montre le chemin. Moi, je pensais qu'il sauterait, qu'il ferait un arc-en-ciel. qui s'imagine des choses. Pourquoi pas ? Oh, t'es tellement bien. Cette map, elle est ouf. Il y a des vents éthérés, donc si c'est vraiment une map, c'est juste que ça me la met pas comme si elle était découverte. C'est bizarre d'ailleurs. Une map sur laquelle il me faudra absolument les vents éthérés, hein, parce que... C'est bon. Et suite. C'est vrai. Nous, comme notre planète, des êtres pleins et entiers. Tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes, nous ignorions la tristesse. Alors comment ? Alors pourquoi ce jour maudit est-il venu sonner notre glas ? L'apocalypse. L'apoca. Ah ! Voilà. Donc je reparle. Alors, j'attends deux secondes. Attends. Oh, c'est bon, le son est correct. J'essaye d'écouter parce que... Ah. J'écoute si le son est correct parce qu'en fait, tout à l'heure on a eu des problèmes de son et j'ai débranché, rebranché le casque et je voulais voir si sur mon live ça s'était pas, ça avait pas affecté la qualité du son quoi. La mort qu'autrefois nous accueillions, l'apocalypse nous l'a infligée pour la première fois. Nos frères aînés, nos frères et sœurs périssaient l'un après l'autre sans avoir accompli tous leurs desseins, assouvi tous leurs désirs. Ils nous quittaient avant même que nous puissions leur dire au revoir. Des séparations aussi brusques que les ténèbres, aussi froides que la cendre.
Une telle tragédie peut-elle se reproduire? Un drame aussi triste se nouer? Vous ne voyez aucun autre spectre autour du glaive mordant. Le veilleur sélénien devrait maintenant être en mesure de le réparer. Salut chien. Le chien nimbé de lumière vous guide à nouveau. Restez près de lui pour ne pas le perdre de vue. Donc là tu vas trop proche des mobs. Hein. Je suis de loin. Là. Enfin, faire tout le tour de la map. Je me suis remise à côté de lui parce qu'il commence à se barrer. Regardez-moi ça. Des pampas sélénien, waouh, ils ont revu les pampas et tout. Waouh. Ok. Ce désespoir ne puisse s'immiscer. Ils sont quand même prêts à faire subir ce que ils ont vécu. Je ne voudrais pas gâcher cette petite fête, mais pourriez-vous me laisser passer? Couleur de ton âme, c'est bien celle d'Azem. Je ne m'étais pas trompée. Pourtant, tu n'es pas Azem, ça c'est certain. Oh, je vois, Metzel t'a donc confié son cristal. Eh bien, quoi? Qu'ai-je pu dire pour te décrocher la mâchoire ainsi? Itlo Dais. En effet, c'est bien mon nom. Comment le sais-tu?
lui explique. Moi, Emmett Selk, il me manque. Vraiment, hein, j'aimais bien. Emmett Selk aurait créé une réplique entière d'Amoroth, peuplée d'ombres, dont une à mon image. Emmett Selk, voilà une poisine de toi. Après tout ce temps, il continue d'honorer la mémoire de ceux qui l'ont quitté. Tu as dû t'en douter, je ne suis pas l'ombre que tu as rencontré dans le passé. On pourrait dire que je suis l'original. Une des pauvres âmes qui se sont sacrifiées pour donner naissance à Zodiark. Moi et tous les autres, nous nous rappelons très distinctement les événements qui nous ont amenés ici. Un plan a été mis en place pour assurer notre résurrection, mais aussi qu'elle ait initié tout processus et a provoqué la fragmentation du monde. Ensuite, nous avons basculé dans un long rêve, hors du temps, enfin jusqu'à ton arrivée. J'ignore ce que toi et tes amis comptaient faire avec Zodiark, l'avenir que vous souhaitez tracer pour notre planète. Mais puisque c'est Emmett Selk qui t'a placé sur mon chemin, j'ai confiance en toi. Alors toi aussi, aie confiance. Ok. Un des glaives a été détruit. Ah, cette âme, je la connaîtrai entre mille, c'est celle de Fandaniel. Par contre, je ne sais pas qui est cette personne qui l'accompagne. Ce n'est certainement pas un homme ordinaire. Zenos. Désolé, je t'ai repris ici alors que tu étais pressé. En guise d'excuse, je vais m'occuper des âmes qui gardent le glaive restant pour toi. Je te laisse te charger de la réparer. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance. Ma pas si nouvelle amie. Oh, elle est mamie. J'aime bien. Comme j'aimais bien Emmett Selk, donc bah... Le chien nimbé de lumière a perdu de sa placidité et fait la grimace, comme s'il s'apprêtait à grogner. Il faut protéger à tout prix, je dois trouver mieux, c'est pas vrai. Dis-moi jusqu'au dernier glaive, il faut protéger à tout prix. Je me dis qu'ils sont la bosse. Le chien pointe son dos et son museau, il veut que vous le chevauchiez. Oh non ! Dis-moi que c'est une nouvelle aventure ! Dis-moi que c'est une nouvelle aventure ! Dis-moi que c'est une nouvelle aventure ! Bonne garde ! Je vole ! Je kiffe ce chien. Il dirait une serpillière, mais j'adore. Oui, c'est trop bien. Oh, regardez ça, c'est si beau. Regardez ça là-bas, je passe devant. C'est un peu comme E.T. devant la lune. Nous. Protéger à tout prix, hein.
les chouettes. Dommage. Tes tentatives pour nous retarder n'ont pas fonctionné. Le sceau est enfin levé. Zordiark, ton long sommeil est terminé. C'est ça le prochain primordial que j'aurai à battre? Comme tu le sais, il a perdu la partie qui constituait son noyau, Elidibus. Maintenant, ce n'est plus qu'une créature sans volonté propre, prête à être dirigée par n'importe qui. Oui, c'est ça. Je sens sa puissance augmenter à chacun de ses battements. Je n'en attendais pas moins. Après tout, c'est le héros qui nous a par le passé sauvés de l'apocalypse. Alors, que vas-tu faire maintenant? J'ai bien l'intention de m'approprier son pouvoir pour dévorer ce monde que tu as juré de protéger. Une fois que ta rage aura atteint son paroxysme, alors nous pourrons reprendre notre combat. Okay, j'ai mon chien qui ronfle. À moins que tu ne préfères mettre un terme à tout ceci dès maintenant. Si c'est le cas, pas de demi-mesure, mon ami. Je veux pouvoir sentir ton aura meurtrière. Allez, petite baston sur la lune. Ah, mon sang commence à bouillir. Disperse-le si tu t'en sens capable. Ah, les combats contre lui sont toujours chiants. Peut-être parce que je suis nul, mais ça, c'est autre chose. Oh, pardonnez-moi, mais vous pourriez attendre juste un petit moment avant de vous battre à mort, s'il vous plaît. N'a pas le temps. Je vous l'avais dit, non? Que je voulais mourir en emportant tout le monde avec moi. Il va lui servir de noyau. C'est la partie qui manque à Zodiark. Sauver le monde? Et puis quoi encore? Non. À partir de maintenant, nous allons le réduire en cendres. Non, ce n'est pas notre volonté. Nous devons trouver notre terre natale. Nous sommes la volonté de l'homme. Le choix que nous avons fait pour rendre la planète habitable à nous.
Non, non et non. C'en est fini de cette mascarade. Vous êtes déjà tous morts depuis des lustres. Alors soyez de gentils fantômes et endormez-vous bien sagement. Je vous en prie, sauvez-nous. Nous sommes leur descendance. Buton fan Daniel. Et Zenos, si on n'en parle plus. Oui. Crois en toi et va de l'avant. Laisse ton âme briller de mille feux. Cette fin est sûrement bien différente de celle que tu avais en tête, mon cher ami. Mais c'est une belle manière de conclure notre épopée. C'est le cristal des Metzelk. Tu n'es pas d'accord, Hadès ? Si j'ai un... Ne sachant pas ce que valait cette forme incomplète, j'avais l'intention de la faire s'affronter contre son adresse Zenos. Mais vu les circonstances, je vais en profiter pour t'écraser. Et Zenos, c'est d'accord? T'es sûr? Tu veux te mettre en colère, hein? La musique est géniale! Le cratère des martyrs. Eh, c'est parti, Kali, si tu veux venir, c'est parti, Kali! Vas-y, je vais sur Discord. Ouh là, j'ai eu des messages. Je vais juste te déplacer en stream. Je peux pas te déplacer. Attends, c'est quoi ça? Ça a bugué. Discord a bugué. Non. Bon. J'ai un icône qui a bugué sur l'écran. Bon, be right back, hein? Voilà. Le problème technique, qu'est-ce que j'adore. J'en ai tous les soirs en ce moment, c'est dingue. Je check juste, voilà. Tous mes petits poussins se sont inscrits pour Among Us, donc ça c'est bon. Dans la salle d'attente, puis dans le stream. Et coucou Kali. Salut Tara, comment tu vas? Bienvenue sur mon live. Salut le live de Kali. Salut live de Tara. Donc je pense que tu vas avoir besoin d'aide vu que là où c'est un peu schématique. Bah, vu que je suis une grosse merde et j'arrête pas de crever déjà sur le bonjour d'avant, j'étais nul. C'était pas évident. Bah je viens en tant, tu sais quoi? Ouais, si tu veux. À la classe que tu veux. Bah disons que je vais en tant que parce que
comme ça je vais un peu te guider dans ce magnifique combat. J'ai déjà fait 2 ou 3 fois, je pense. Ah, mais là déjà j'étais en mode fangirl, hein, donc. C'est tellement. J'ai encore. J'étais en mode fangirl, là. J'étais en mode. Oh le chien, entre là. Ah ouais, moi c'est pas les chiens, c'est dans le donjon que t'as fait juste avant, hein. Ah, mais même le donjon, il était sympa, hein. FF4 autour de ma bille. Ouais. Ah, mon côté fanboy, il a parlé là. T'es prêt? Je suis prêt, oui. Ok, j'ai récupéré exprès pour toi. Ah non, c'est mon côté fanboy d'FF4 qui a parlé. Ah non, mais clairement. FF14, ils savent très bien comment s'y prendre. Attends, je lance ton live vite fait avant que. Hein? Voilà. J'ai mis le tien aussi. Profite de la cinématique. Ah, mais t'inquiète. Je passerai pas. après le combat, je te quitterai comme ça, moi, je continue mes quêtes et on se tiendra après. Ouais, ça marche. Icône des ténèbres. L'heure est venue. Les lois même de la nature s'oublient à ma volonté. J'ai la chambre. Ah. S'il faut que tout s'achève aujourd'hui, autant que ce soit mémorable. Wow, je lag. Mais c'est pas bien. La tour de Circus n'est qu'un jouet en comparaison. J'ai du gros lag. Ouais. Là pour le moment, moi ça va. Ok, go ça, triangle. Non, allez-vous. C'est bon. Et donc on fait le faisceau orange, enfin rose comme ça. Il va faire un carré là haut devant lui, comme ça, il sera à droite. Regarde. Okay. Et quand c'est le bleu, là c'est un triangle. C'est quoi? Je laisse. Venez, chers créatures. Ouais. Là, attention aux heureux. Ouais. J'essaie de suivre le paquet, hein, parce que les gens ils connaissent déjà les frappes et tout. Ouais, bah crois-moi. Il est pas bien compliqué, quoi. Mais seulement qu'il enchaîne ses attaques. Pourras-tu résister à ça? Là, j'envoie un petit coup de rétorsion, moi. Là, heureusement que t'es pas heal, hein. Ouais, non, mais. De toute façon, c'est ça, hein. Je prendrais pas le heal pour les donjons et. Okay. C'est important, ça. Donc là, tu vois, tu fais 2 trucs à la fois. Donc, quand c'est le triangle, là. Donc t'as vu la couleur, tout ça? Encore un peu. Et nous ne ferons plus qu'un. On s'en fait sur essayer de dépêcher au max, mais j'ai l'impression que mon stuff est mal. Ouais, pourtant, t'as le même stuff que moi. Le final de Shadowbringer. Ah, j'ai changé, là. Je suis en stuff pour... Ah, même stuff que j'ai gagné sur la route, quoi. Ah, pourtant, elle est moins performante que celle de Shadowbringer. Zandiark est désormais totalement sous mon contrôle. Il fallait que l'île le suive. Ah ouais, moi aussi. Ok, transformation. Ok, mais... Maintenant, c'est pas que tu m'arranges. Regarde. À l'aide des ténèbres, je façonnerai une nouvelle réalité. Suis-moi, je suis ici. Je te vois pas. Tu sautilles.
Regarde, là tu vois, il va faire pivoter. Se plie à ma volonté. Et donc c'est ça tout l'intérêt, pouvoir éviter d'attaquer comme ça. D'accord. Le jour où j'éradiquerai toute vie. Et avec une marque sur sa tête, il a l'air de connaître le combat, je vais essayer de le suivre. Ouais. Parce qu'avec les marques, c'est vachement plus simple. Alors, je me suis dit que c'est pas grave. Là, au centre, et après vite sur les côtés. J'attendais ce jour depuis longtemps. Et là, attention, là, il va tâcher. Là, c'est le Sion Amo, c'est comme Shinryu, il t'en mourra loin. Donc là, tu vas juste devant lui. Devant lui. Ouais, c'est bon. En fait, tu vas voir, il va pivoter, pareil comme pour l'autre. Il faut pouvoir anticiper les mouvements des... Ah, mais merde, ouais, non, je suis pas au bon moment. Ok. C'est ça, en fait. J'étais devant lui, mais j'étais trop loin, en fait. Il est temps de reprendre l'apocalypse. Que là, j'ai envie de te laisser deviner la tactique. Se matérialise en étoile. Qu'elle s'abatte sur le monde, comme à l'époque. Et là, tu suis les autres. Là, ça, c'est du sport, ça. Regarde, j'ai toujours les étoiles, tu vois, les étoiles, tu vois, tu vas taper. Ah, ben, je vois. Pourras-tu résister à ça? Là, c'est qu'il y en a un, il est parti à l'opposé du groupe, et du coup, j'ai hésité. L'hésitation m'a tué. De toute façon, on a perdu un heal. Ouais, mais ça va. Là encore, ça a encore bougé. Ouais, là, ouais. Je me mets devant lui, pareil. Pareil. Rêve. Que les lois de la nature se plient à ma volonté. Pourras-tu résister à ça? C'est la fin de tout. Plus besoin de retenir mes coups. Je laisse un peu découvrir le combat aussi, hein. Ouais, bah écoute, t'as occupé à suivre le mec. je me suis blessé, je te montre moi là-bas. Alors les gens se mettent juste devant là. Ouais. Que les lois de la nature se plient à ma volonté. Pourras-tu résister à ça? Je perds rien du tout. Comme toi, il enchaîne les attaques là.
Pourras-tu résister à ça? Attention là, il va tâcher. Merci pour l'info. Ouais, le sens, par les ouais. Ouais, c'est moi le main tank là. La classe, la classe. Et pour info, la portée bras ne bloque pas son attaque. Ah ouais? Oh putain. Par là, par là, par là, par là, par là. Que les lois de la nature se plient. Et tu peux encore taper quand tu fais ça aussi, hein. Ah, c'est fou là. Pourras-tu résister à ça? Alors, qu'en penses-tu? Il est pas mal. Mes forces s'estompent. Il n'est pas très compliqué, mais il enchaîne mécanique. Ce dont je suis capable. Ça laisse voir les cinémas. De quoi? Il n'y a plus de choix pour honorer. Ouais. Je te laisse voir les cinématiques. Quoi, je me mute pendant ce temps, ça te va? Ouais, si tu veux. Si tu veux. Vas-y. Bah, je pourrais te spoiler si tu entends les sons de chez moi, je veux. Ça marche. Donc, lance les cinématiques, du coup. Let's go! Merci, Kali, pour ton aide. Pardon. D'abord, tu dois me rejoindre. Un instant, je vais te téléporter à moi. Détruire la plateforme. Mais voilà, malgré tous tes efforts, c'est moi qui aurai le dernier mot. Depuis le départ, mon unique but était de tuer Zordiark. J'avais échafaudé plusieurs plans pour arriver à mes fins. Son Altesse aurait pu dévorer son pouvoir pour ensuite t'affronter. Mais comme on dit, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir réussi à t'écraser comme la misérable vermine que tu es. Mais j'aurais au moins accompli mon objectif. Cette fois-ci, c'est la bonne. Le véritable début de la fin. Ainsi commence une nouvelle apocalypse.
va relâcher tout son éther. Alors que les dernières bribes d'énergie s'échappent de mon corps, j'ai l'impression qu'un froid glacial m'envahit. Un sentiment étrange et familier à la fois. J'ai vécu à travers de multiples corps, et je suis mort bien plus d'une fois. À présent que je me sens glisser doucement dans le sommeil, tout ça me semble si éloigné. Une sensation devenue si ordinaire qu'à aucun moment je ne réalise pleinement qu'il s'agit de la toute dernière fois. Peu importe, je n'avais aucun désir, alors je peux partir sans regret. Tout au plus aurais-je aimé voir un bout de l'avenir qui vous attend, histoire de vous dire « bien fait pour vous ». Un tel dédain pour la vie, une telle amertume, voilà qui attristerait certainement l'homme à qui appartenait jadis cette âme. Et si je devais répondre à sa question vieille de 10 000 ans, je lui aurais dit que rien au cours de ces millénaires d'errance ne m'a convaincu que l'humanité mérite encore de continuer à vivre. Bien au contraire. Mais si jamais tu penses que j'ai tort, le retour de l'Apocalypse sera l'occasion parfaite pour me le prouver. Tu ne crois pas, Aideline ? Regardez bien, Votre Majesté Zande. Bientôt, toute la création retournera dans le vide. Cette planète, toute la vie qu'elle abrite, et moi-même, nous vous rejoindrons très bientôt. Est-ce que la mort de Zodiark va changer du coup ? Est-ce que ça va gémeler ? Souffle calmement, concentre-toi sur ta respiration. Tu l'as vu toi aussi, la planète tout entière engloutie par une entité sinistre ? Je suis désolée de t'apprendre que ce n'était pas qu'une illusion. Avec la destruction de Zodiark, son emprise sur les lois de la nature qui régissent ton astre s'est estompée. L'apocalypse qui a jadis ravagé la planète va pouvoir reprendre où elle s'est arrêtée.
Ce que tu as vu n'était encore qu'une connexion conférée par ton pouvoir de l'écho. Tout est encore normal à la surface. Malheureusement, d'ici peu... Non. Me battre contre toi ici ne m'apporterait pas ce que je souhaite. Une nouvelle bête menace ta chère planète, n'est-ce pas? Tu vas devoir la défendre bec et ongles. De mon côté, je vais me mettre en quête d'un nouveau moyen d'exalter ton pouvoir, tout comme Shinryu le fut à l'époque. Cette divinité de l'ancien temps s'est avérée bien décevante, et je me demande, me faudrait-il quelque chose de plus maléfique encore? Un désespoir à l'absolu inégalable? Si ce n'est que pour satisfaire tes fantasmes, je refuse de me battre contre toi. Soit. Nous verrons bien. Ralenti. On peut pas lui enlever qu'il a la classe et qu'il est super fort et... qu'il est badass. Alors, un peu fou allié, c'est tout. Je ne ressens plus la présence de ce jeune homme blond. Il semble avoir quitté la lune. À moins que tu ne te lances dès maintenant à sa poursuite, j'aimerais te faire quelques révélations. Je te confierai tout ce que je sais au sujet de ce Diark et de l'apocalypse que nous avons autrefois vécu. Il le faut, pour l'avenir de cette belle planète bleue qui flotte dans le ciel. Enlève-toi dans la nuit. Ah, enlève-moi dans la nuit. Non, je suis pas sûre, non. Rendons-nous dans un lieu plus adapté pour parler de l'apocalypse. À vrai dire, juste après être descendu ici, j'ai ressenti la venue de plusieurs personnes de Amar Lamentorum. En raison de l'urgence récente, je n'ai reçu que des bribes d'informations d'Aidelin, mais je suppose qu'il s'agit de tes compagnons. Il semblerait qu'ils aient déjà trouvé ma demeure, donc je te propose de les y rejoindre. Ah, mes potes vont pouvoir me donner des nouvelles de la maison. Oui, je commence à avoir le mal pays. C'est pour... La lune, c'est quand même trop beau. Voilà. Regardez, il y a une autre là-bas. Regardez-moi ça, c'est... c'est trop beau. Ah, je t'envoie des... je t'envoie des sorts sur la tronche. Regarde. Je connais pas les personnes. Hein. Mais qui doit dire, mais qu'est-ce qu'elle fout? On est sur la même quête, au même moment, c'est drôle. Tiens!
Oh putain, il y avait l'animation, je pouvais pas lancer. Ah, Tara, tu es là. Nous sommes démenés pour contenir le subjugué avec l'aide de la délégation des Albarn. Malheureusement, nous n'avons pas pu empêcher un certain nombre de pertes, dont ceux qui se sont fait exploser au début de la bataille. À l'heure qu'il est, les efforts se concentrent plus sur les soins des blessés des deux camps et la guérison des subjugués. Kryll, elle, a reçu un traitement rapide et efficace, elle se repose encore, mais nul doute que son corps retrouvera bien vite toutes ses facultés. Quant à Alfino et Alizé, ils sont restés en arrière pour soutenir la délégation des Albarn. Du coup, nous ne sommes que trois à avoir fait le voyage. Mais dites-nous plutôt ce qui s'est passé avant notre arrivée. Cette personne me rappelle fortement les anciens que nous avons croisés à Amoroth. Tu n'es pas loin de la vérité, c'est Aideline qui m'a créé en même temps que cet endroit pour que j'en assure la surveillance. Ainsi, on m'appelle le Veilleur Sélénien. J'ai vu qu'on m'avait écrit sur le chat de Guilmé. Je vais voir. Je vois après. C'est Kali. Zodiar qui est vaincu. Je réponds 3 points après en plus. Oui. Et le délicat équilibre que sa présence assurait est sur le point d'être rompu. Sous peu, l'apocalypse des temps anciens va reprendre là où elle s'était arrêtée. À ce sujet, j'aimerais partager avec vous ce que je sais. Et ça va ? Oui, ne vous en faites pas. C'est que j'ai dû puiser dans mes ressources pour tenter de sceller un nouveau Zodiark. Si vous voulez bien me donner un moment pour me reposer, je répondrai à toutes vos questions sur l'Apocalypse. Bien sûr, prenez tout le temps dont vous aurez besoin. Je pense que ça va être une cinématique, du coup, ça va lancer une cinématique ou ça part. Les cristaux sur les murs qui nous entourent contiennent vos archives, n'est-ce pas ? Ça vous dérangerait qu'on y jette un œil en attendant ? Je vous en prie, si vous désirez les consulter dans l'ordre, les plus anciens se trouvent à l'étage. Bah, nous voilà partis pour une petite séance de lecture. Tara, tu veux bien t'occuper de parcourir les cristaux qui sont en haut ? Oh, laissez-moi ! Oh bon, j'aurais préféré une cinématique où ça parlait, hein. Let's go. On les a tous croisés. Alors. Cristal d'archives terne. Alors que vous effleurez le cristal des archives consignées par le veilleur sélénien au sujet des Zodiacs se dessine clairement dans votre esprit. Rapport quotidien, aucune anomalie détectée, nanana, nanana. Même chose. Il semblerait que le veilleur sélénien est inlassablement observé Zodiark et le sceau qui le tenait prisonnier depuis la fragmentation des mondes. Ça va, niveau lecture, c'était léger. Tranquille. Les archives concernant la réunification du monde ont été consignées dans ce cristal. Il semblerait qu'à chaque réunification d'un fragment avec le monde originel, la soif de liberté de Zodiark s'intensifiait en même temps que le sceau s'affaiblissait. Aideline puisait vraisemblablement dans ses ressources pour parvenir à le contenir tant bien que mal. Les archives de ce cristal traitent de l'aggravement de la situation sur la Lune au fur et à mesure des différentes réunifications. Pour le veilleur sélénien, la rupture des liens qui maintenaient Zodiark prisonnier n'était plus qu'une question de temps. Plus loin,
vous découvrez des rapports de maintenance détaillés, rédigés par des êtres appelés Loporites. Les archives de surveillance de Zodiac se poursuivent inlassablement. Vous peinez à imaginer l'ampleur de la tâche dont s'est acquitté le veilleur sélénien. Ici, vous apprenez qu'Elidibus se rendait régulièrement sur la Lune pour contempler Zodiac. Le lien entre l'Ancien et le Primordial suscitait visiblement un grand intérêt chez votre hôte. Cette fois encore, Elidibus s'est contenté d'observer le sceau sans tenter de le briser. Je soupçonne qu'il commence à réaliser que la Lune sera la prison de Zodiac tant que le monde ne sera pas réunifié. Lui et ses compagnons ont compris que nous n'essayerons pas de détruire le Primordial tant qu'il restera sous notre contrôle. Ok. On a un petit peu de matière. Tu as appris quelque chose d'intéressant ? Yo! Erreur! Ça s'est bien passé? Ouais, bah là, je suis en pleine séance blabla, hein. Je pense que j'en ai pour un moment. Ouais, c'est pour ça en fait, ouais. Je confirme. Ouais, bah là, c'est la partie où j'ai eu un donjon, un primordial, ça va être calme pendant un moment. C'est bien ça, ouais, c'est bien ça. Ah, ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas. C'est toujours le même schéma de toute façon. Alors, je pense que je vais te laisser là sur le Discord, quoi, comme ça tu peux te concentrer sur les longs textes de discussion. Ça marche. Bah t'es pas très loin de moi en fait. T'es pas très loin de moi. Okay, on va dire, tout ce que je peux dire, c'est qu'on est sur la même map. C'est tout ce que je peux te dire. Ah. Donc t'es très très proche de moi. Bah écoute, de toute façon, je pense que je vais alterner entre FF et Star Wars. Normalement aujourd'hui je vais jouer à Star Wars, mais ils ont fait une maintenance. Alors je fais, bah tant pis, hein, je change de jeu. Mm-hmm. Et hier, c'est CFF qui voulait pas de moi, donc écoute, à un moment donné, voilà quoi. J'ai pas de chance. C'est clair. Donc, voilà. Mais j'ai bien avancé, je suis contente. Très contente. Allez, bah, tant mieux, hein. Ouais. Bah, petit à petit, tu vois, c'est cool. Ouais. Je suis pas pressée, hein. Voilà. Faut le dire. Merci beaucoup pour ton aide. Il n'y a pas le sujet, j'espère que t'as aimé ce combat. Hein. Ouais, il était sympa, franchement. Très très sympa. Il y a des mécaniques un peu spéciales, mais ça, elles sont pas trop compliquées. Mais c'est qu'ils les enchaînent, c'est tout. Ouais, c'est ça. Ah, puis moi, avec les deux temps que j'ai le soir après le boulot, crois-moi que j'ai vraiment du mal à suivre. Bah, moi, je vais continuer à monter mon guerrier. Et dès que j'aurai fini, qui sera à 90, je mets des conseils à Krull pour bien les stopper. Ah, ouais. C'est à top 1 des tanks d'entre ciel, alors. Ouais, bah ouais. Non, mais je pense qu'elle va pouvoir t'aider. Hein. Ouais, elle a dit, je serai pour t'aider, y'a pas de soucis. Bah. Je la connais, hein, allez. Je sais. Elle prend plein de temps qu'en formation. Allez, je vais te laisser alors, là. Bonne soirée, Cali, merci beaucoup. Bonne soirée, moi je continue, je t'en prie. Bon, pour le prochain donjon, quand ce soir, soigner ensemble. Ça marche. N'hésite pas. Si t'es là, je te MP. Pareil. Je t'attendrai. Yo. Ça marche à toutes. Toutes. Je vais peut-être le MP pour lui dire si tu avances. Voilà. Histoire qu'on se comprenne bien. Je dis qu'il pouvait avancer sans moi aussi. Voir que voilà. GG Sabri pour ton level up. Merci à toi pour ton lurk. Donc oui, on dirait bien qu'Aideline a éprouvé le plus grand mal à préserver le sceau qui gardait Zodiac prisonnier.
Cela explique pourquoi ces prises de contact avec les humains se sont faites de plus en plus rares depuis le 7e fléau. Moi non plus, je n'ai pas chômé pour consulter tous ces cristaux et j'ai fait une découverte pour le moins surprenante. Figure-toi que l'astre sur lequel nous nous trouvons, la Lune elle-même, est une création d'Aideline. Lorsque le veilleur a dit avoir été créé en même temps que cet endroit, je pensais qu'il parlait que des installations. On dirait que le pouvoir d'Aideline à son apogée dépassait de loin ce que nous imaginions. Bah, si elle était l'équivalent de Zodiark, ouais, carrément. Maintenant que Zodiark est plus là, est-ce qu'elle est toujours fragile ou pas? Pourrais-tu demander à tes amis de se rassembler? Je me suis suffisamment reposée et nous allons pouvoir commencer. Oui. Les répliques classiques dans FF. Oui. J'adore. C'est vrai que c'est ça que j'aime bien dans Star Wars. Ton personnage principal a une voix. T'as des choix, il y a un impact. Dans FF, l'histoire, elle est magnifique. Ça manque vous de vrais choix. Vous auriez dû prendre votre temps. Il y a tant à découvrir ici. C'est absolument passionnant. Et ça manque une voix pour le héros, quand même, bien sûr. Mais dites-nous plutôt, qu'en est-il de cet apocalypse des temps anciens qui menace de se répéter? De mon peuple, on appelait notre planète bleue Aetheris, ce qui signifie ciel resplendissant. Un jour, un énorme bruit retentit comme un cri s'élevant de la terre. C'est à ce moment que les êtres vivants commencèrent à se transformer. Les animaux, les humains, tout le monde était touché. Le cœur des hommes fut gagné par la peur et le désespoir, les sentiments matérialisés par leur magie créatrice dont ils perdaient le contrôle. Ces phénomènes qui s'étaient d'abord manifestés de façon localisée se répandirent aux quatre coins de la planète. Très vite, c'est le monde entier qui fut plongé dans le chaos. Est-ce qu'on sait ce qui a provoqué l'apocalypse? Donc on ne sait pas. Les causes exactes demeurent encore inconnues. En revanche, à l'époque, le Concile des 14 était en mesure de prévoir où auraient lieu les prochaines calamités. Il y a d'abord le flux tellurique qui traverse le continent et le flux aquatique qui sillonne les mers. Le courant éthérique porté par les vents est lui appelé flux éolien. Quant au plus éloigné de tous, qui englobe toute la planète, et même la Lune, il s'agit du flux céleste. Le flux céleste? C'est la première fois que j'en entends parler. Cela ne me surprend pas, même à l'époque de mon peuple, seuls quelques scientifiques connaissaient son existence. Et pourtant, c'est bien celui qui allait devenir la clé pour comprendre l'apocalypse qui nous frappait. Les différents flux que je viens de vous énumérer sont tous de vastes réseaux de courants éthérés, plus ou moins intenses selon les endroits. C'est ce qui a attiré l'attention du Concile des 14, qui a remarqué que les phénomènes de l'apocalypse survenaient précisément là où le flux céleste était le moins dense.
explorant le mécanisme exact, les membres du Concile ont ainsi établi un lien direct entre les faiblesses du fruit céleste et les foyers de dépérissement de la planète. C'est la raison pour laquelle ils ont créé Zordiark à l'image des ténèbres, symbole de l'évolution et du changement. Ils se sont dit qu'en intensifiant les courants des terres, ils pourraient contrôler les phénomènes qui menaient notre monde à sa perte. Exactement, et leur plan a fonctionné. Ils l'avaient prévu, l'apocalypse a été évitée. Après ça, des dissensions ont éclaté au sujet du sort à réserver à Zordiark. Et Eidoline a été créée. Vous confirmez ce qu'Emmet Selk nous a appris ? Tout à fait. Cependant, vous devez savoir qu'Eidoline n'a jamais souhaité la destruction de Zordiark. Les causes de l'apocalypse n'ayant pas été clairement identifiées sans le primordial des ténèbres, le risque d'un nouveau cataclysme aurait été trop grand. C'est pour cela qu'Eidoline a fait le choix de frapper Zordiark et de le sceller, entraînant elle-même ainsi que le monde dans le procédé. Le choix de fragmenter Zordiark et de le sceller, s'entraînant elle-même ainsi que le monde dans le procédé. Okay. Je relis pointure. J'ai bugué. Elle m'a pourtant demandé de vaincre les ténèbres. Eidoline m'aurait menti. Mais c'est peut-être pas Zordiark les ténèbres, c'est peut-être Zenos. Certes, mais tu es peut-être en mesure de comprendre pourquoi maintenant. Comme vous le savez, Eidoline et Zordiark sont des créations humaines. Ils ne sont donc pas des êtres absolus. Des véritables dieux, au sens où vous l'entendez. D'ailleurs, ils ne sont pas égaux dans leur imperfection. Le pouvoir d'Aguiline est bien inférieur à celui de Zosia, lui qui est né du sacrifice de la moitié de l'humanité à l'époque. Malgré cela, c'est bien Aguiline qui a pris le dessus lors de leur affrontement. Mais si remporter une victoire contre elle est une chose, garder Zodiark sous son contrôle en est une autre. Aguiline consacre ainsi quasiment toutes ses forces au maintien du sceau, et avec le peu d'énergie qui lui reste, elle accorde sa protection à ceux qui entendent son appel, lancé depuis le cœur de la planète. Le plus important pour elle, c'est de s'assurer le soutien des guerriers de la lumière dans son combat. Raconter la véritable histoire de l'ancien monde ne fait donc pas partie de ses priorités. Se détournent du passé pour regarder vers le futur et aller de l'avant. C'était le vœu le plus cher de ceux qui ont donné la vie à Eidoline. Si Eidoline ne nous avait pas montré la voie, on peut imaginer que les Assiens auraient déjà réuni un plus grand nombre de reflets. Reflets dont les habitants auraient tous été sacrifiés sur l'autel du retour de l'humanité originelle. Bon. En attendant d'en savoir plus, nous n'avons pas d'autre choix que de vous faire confiance. S'il n'existe pas de dieu absolu, je préfère encore rejoindre la cause que Minfilia avait décidé de soutenir. Mais avant toute chose, j'ai une question à vous poser. Imaginons que cet apocalypse se produise, et qu'on ne parvienne pas à l'empêcher. Si le monde primitif disparaissait, qu'adviendrait-il de ces reflets ? Vous n'êtes pas sans savoir que le monde primitif est comme le noyau qui relie tous ces reflets. S'il devait être frappé par l'apocalypse, il fait peu de doute que les reflets connaîtraient le même dessin funeste. Irine. J'ai quelque chose à vous montrer. Ok.
Vous voyez ces faisceaux lumineux au loin ? Quelle est cette structure ? Comme je vous l'ai expliqué, Aïdénine est loin d'être toute puissante. Au contraire, on peut dire qu'elle est souvent poussée dans ses derniers retranchements. Elle s'est donc préparée à la disparition de Zodiark en mettant en place une solution de dernier recours ici sur la Lune. L'astre sur lequel nous nous trouvons est en vérité une arche aménagée pour sauver les habitants d'Alteris du nouvel apocalypse. Mon rôle se limitant à surveiller Zodiark, je n'ai plus rien à vous apprendre. Pour en savoir plus au sujet de l'arche, vous devrez vous adresser à son équipage. Si vous le permettez, je vais vous guider jusqu'à elle. Une arche pour les survivants. Ah yes. Alors. Carte Anima. 325. 533. Allez, let's go. Alors, là, ça va encore un peu avec ma tenue, donc on va garder. C'est pas comme si j'avais vraiment le choix. Et je dois récupérer la quête. Ah, mais attends. Il est tellement grand que je le vois pas. C'est terrible. Très bien, je vais vous guider jusqu'à l'équipage de l'Arche. Comme vous pouvez le voir, le cratère au centre de Mare Lamentorum, là où Zodiark était emprisonné, rend le trajet à pied bien difficile. Heureusement, nous allons pouvoir faire appel à Argos, tu le connais. Il s'agit du familier au poil doré que tu as croisé tout à l'heure. Argos, chien fidèle ? Tout comme j'ai servi de surveillant pour cette prison, Argos en était lui le chien de garde. Et comme toi, il a été créé par Delhi. Mais c'est étrange, je ne le vois pas. J'espère qu'il n'a pas purement et simplement disparu à cause des fortes turbulences qui se sont produites dans les terres environnantes. Oh non, non, pas Argos. Pour en avoir le cœur net, nous allons partir à sa recherche avec tes amis. Prends la route en direction du glaive écrasant, s'il te plaît. Vous devriez retrouver cet endroit facilement, mais en cas de problème, remontez tout simplement la route que tu as empruntée avec Argos tout à l'heure. Kaideline avait tout prévu depuis le début. Je ne vois aucune raison de mettre en doute la parole du vieillard sélénien. Nous allons le retrouver près du glaive écrasant. Il y a intérêt qu'on le retrouve. Non, je veux... C'est mon Argos tranquille. C'est mon Argos tranquille. Voilà. Allez, c'est parti. Wouhou ! Heureusement qu'on peut pas mourir d'un saut stupide. Départ là. On va emmener dans un petit chemin de traverse. Dans une espèce de crevasse. Je m'attendais pas à devoir la retrouver, ceci. Voilà, c'était par là. Non, c'est pas par là. Ça, c'est par où ? Non, c'est une crevasse, ça. Attends. Je me disais, tiens, il va m'emmener loin. Pas par là. Je sais plus par où c'est, je suis pas allée. On a monté par là. Laissez-moi monter. On est à la hauteur, on va bien voir. Je sais pas par où c'est. Putain, ça me fait chier. Je me souviens plus du chemin, mais on m'a pas dit qu'il fallait que je me maudisse moi. Oh. La déception. C'est pas loin, mais je sais pas où. Je crois que c'est pas loin, mais je sais pas où. On peut même pas là. Vas-y. Il y a un chemin là-bas, regardez, c'est ce chemin-là.
ce chemin-là. Allez, vous voyez en bas là ? Comment on peut parler dessus par contre ? Où ça... j'ai pas envie de chercher. Un point triste. Elle aurait pu, hein. Mettre des pancartes de signalisation. Oh putain, pour s'y retrouver cette map. Ah, là. Là. Là, il y en a un. Il y en a un. Pour me repérer, c'est terrible. Là, je reconnais. Mais l'arche, elle pourrait pas avoir tous les humains. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Et ça marche auto. Kaja ! Kaja, j'ai un de caution à faire. Ah ! Non ! Sérieux ? Mon poney, il saute pas haut. Hein. C'est par là-bas. Ah, c'est Pampa, c'est... Je vous remercie d'avoir fait le chemin jusqu'ici, la grotte au chlorofois. L'endroit que je veux vous montrer se trouve juste un peu plus loin. Argos est un familier magique créé par Aidelin. Et il a besoin d'une... concentration suffisante en énergie éthérée pour se manifester. Il se trouve que la grotte au chlorofois est un lieu particulièrement propice à l'accumulation des terres et donc tout indiqué pour appeler Argos. Suivez-moi, c'est Paris. Mon chien, je veux mon chien. Je porte pas de l'eau de pure dans le canapé là. Que j'aime pas sûr. Mais qu'il a été chiant terre. Tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas vu. Non, c'est faux, tu ne m'as pas vu. Je suis pas là. Lâchez-moi. Pourquoi on prend la map comme map? Pourquoi c'est une map qu'on ne peut pas compter comme map? Ce coin fera parfaitement l'affaire. Cette grotte a la particularité d'abriter des champignons qui diffusent de l'éther contenu dans le sol. Les conditions sont presque réunies. Il ne me reste plus qu'à donner un petit coup de pouce. Pourrais-tu offrir un peu de ton éther corporel à un de ces mycénae chlorofois? Cela devrait me permettre d'appeler Argos. Ah, là-bas. Je cherchais, je suis où? Ils sont où tes champignons? Un chlorofois. Oh. Oh, il est content de me voir. Argos s'approche de vous et vous renifle calmement. Il semble vous apprécier tout particulièrement. Ah, en même temps, je vais filmer mon éther pour qu'il s'en ait fait. C'est une création fascinante d'Aidelin, capable de se dupliquer lorsque c'est nécessaire. Celui-ci n'est peut-être pas le guide que tu as rencontré un peu plus tôt, mais l'un comme l'autre sont bel et bien Argos.
Je dois avouer que je l'ai rarement vu aussi affectueux. On dirait qu'il a un véritable coup de cœur pour toi. C'est surprenant, il est d'un naturel peureux, donc je m'attendais plutôt à ce qu'il se méfie au début. Ce n'est peut-être pas simplement son sens du devoir qui l'a poussé à aller à ta rencontre, avant votre affrontement avec Zodiark. Voyons voir comment s'en sortent tes amis. Donc chacun leur argos. Regardez comme il est mignon. Et sage comme une image en plus. Voilà, nous sommes tous prêts. Très bien, rendons-nous près du caractère. Bien, les gars, on y va. Beaucoup, beaucoup de blabla. Hein. Là, on est parti hein, pour découvrir de nouvelles choses, les tenants et les aboutissants de certaines choses, de découvrir le pot de rose même, et à la fin, découvrir certains mystères qui nous échappaient. Et latter la gueule de nos amis. Quand ça viendra, latter la gueule de nos amis, ça deviendra vachement intéressant. Javal ! Non, c'est faux. Alors, c'est peut-être que j'ai pas eu encore un seul vent, donc du coup, j'ai pas d'infos sur les vents éthérés sur la map. C'est possible. Je n'ai pas vu un seul, mais ma boussole en détecte. Donc voilà. La nouvelle map, hein, je pense que voilà, y a pas de doute. Le doute ne devrait pas être là. Une armée d'Argos. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous rendre à ce grand bâtiment d'où s'élèvent ces quatre faisceaux de lumière bleue. Et c'est ici qu'Argos intervient, grimper sur son dos et s'occupera du reste. Une fois là-bas, vous pourrez faire connaissance avec l'équipage de la Lune. Ils sont plongés dans un profond sommeil la majeure partie du temps, mais la disparition de Zodiark les aura sûrement réveillés. Soyez bien attentifs à ce qu'ils vous diront, et ensemble, vous pourrez décider de la route à emprunter et du futur de votre planète. Quant à moi, c'est ici que je m'arrête, mais sachez que je veillerai sur vous depuis mon palais et prierai pour votre réussite. Oh, mignon. C'est l'heure d'aller faire un grand saut. Au cas où ça tournerait mal, évitons d'y aller tous en même temps. Je propose de partir devant toi et moi, puis s'ancrer des rien. Je suis bon. Ok. Oh, regarde. Ils sont trop choux. Oh, tu le sens, l'éther qui s'élève du cratère. Des réminiscences de Zodiark sur moi. Tu crois? Je l'ai mis comme ça, en vue comme ça, parce que c'était. C'est mis en mode cinématique. C'est assez drôle. Voilà, ça me l'a retourné encore. Hop, peut-être dès que j'ai la chasse, oui. Oui! Ouais! On s'amuse avec peu. Hein. Oh, regardez là-bas, il y a des choses intéressantes. Le bâtiment n'est plus très loin, encore un petit effort. Voilà, on pourrait y aller à pied, il y a des escaliers et tout. Enfin, un passage, quoi. J'ai découvert une nouvelle zone. Là, on va vers l'éthérite, ce qui m'arrange dans un sens. C'est une très grande porte. Voilà. Cette porte est tout bonnement gigantesque. Enfin, si elle était construite par et pour les Anciens, rien de plus normal après tout. On est là, nous aussi. Parfait, on va pouvoir aller à l'intérieur. Et tiens. C'est étrange. Peut-être qu'il a fait disparaître ses doubles pour économiser son énergie. Tant qu'il en reste au moins un, ça me va. Je n'ai pas envie qu'on se retrouve seul ici sans moyen de repartir de l'autre côté. Merci Argos. Si Argos nous attend, dépêchons-nous d'aller à l'intérieur, ce serait mal de le faire patienter trop longtemps. Là-bas qu'il faut que j'aille.
écoutez, je pense qu'on va arrêter là. Je pense qu'on va arrêter là le live, tout simplement. Parce que on va arriver à une partie d'histoire assez gigantesque. Je pense qu'on va avoir pas mal de blabla. Même si Argos il nous attend et qu'il est bien mignon. Waouh, mais regardez-moi ça. Non mais là ils se sont lâchés hein, sur cette map là. Je saute. Mais tant qu'il reste un pixel. Alors, le truc de l'arche, c'est que je me dis il y aura jamais assez de place pour tout le monde. Donc du coup ça va être compliqué. Vaut mieux sauver la planète. Mais c'est vrai que si on n'a pas le choix, on a un plan de secours pour sauver l'humanité. Mais du coup, si la planète elle meurt, mais que nous on survit parce qu'on est sur la Lune, est-ce que ça veut dire que les reflets disparaissent? On aura survécu. L'humanité aura survécu en partie. Mais les planètes seraient mortes, donc je pense que les reflets disparaîtront aussi. Ah, c'est compliqué. Donc on remonte, on va se mettre à côté de la quête et on reprendra ça. Peut-être pas demain, sauf s'il y a une maintenance sur Star Wars, voilà, comme tout à l'heure. C'était censé être une soirée Star Wars, au final on a fait beaucoup beaucoup de FF. Là on en est actuellement à 3h57 de live, presque 4h de live. C'est quand même pas mal. Je fais beaucoup de live aussi hier. Ouais, je pense qu'on est bien. On est plutôt bien. On va aller raid quelqu'un. Qui est en ligne? Qui est en live actuellement? Kali est toujours en live. Donc je vais aller le raid. Est-ce qu'il est sur le même jeu? Ah, c'est comme ça que je vais pouvoir aller discuter un peu avec eux parce que je déconnecte pas trop tard. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se dit à demain. Demain, normalement, du Star Wars si tout va bien. Mais comme j'ai la poisse, le programme va peut-être encore changer. Très bonne soirée à tous. Et puis FF de toute façon on continuera ce week-end ou vendredi soir, je sais pas encore, mais sur ce week-end j'en fais un peu, donc ou beaucoup en fonction de l'histoire, voilà.